Tu fais ça, pourquoi? Pourquoi as-tu pris ce que j'avais de plus cher? Pourquoi m'as-tu éloigné de lui? Papa, j'essaie d'être forte, mais je fais toujours, toujours le même rêve. Je t'en prie, papa, protège-moi. Protège-moi, pitié. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci. Merci, papa. Je sais ce que ceci signifie. Merci pour m'avoir répondu, papa. Merci. Merci. Merci, papa. Merci. Merci beaucoup. Ishii et Ike, je suis au courant de tous les problèmes familiaux que nous aurons toujours à rencontrer ici. Ceux de veuves et ceux relatifs aux mariés. Et c'est quelque chose que nous nous battons à ramener au plus bas ou chercher à l'amoindrir, sinon l'éradiquer complètement. Est-ce le même problème que nous avons ici? Mon roi, je vous jure que je n'ai aucun problème contre Chiwa. Je peux le confirmer maintenant. Que je ne la vois même pas, mon roi. Ce n'est qu'une femme. Et je ne peux pas me rabaisser au niveau d'avoir des problèmes avec des femmes, mon roi, vous voyez. Et bon, pourquoi est-ce que tu es ici? C'est quoi le problème? La manière dont elle rapporte ton nom. Je veux dire, l'impression qu'elle donne. Et personne ne peut s'empêcher de croire qu'elle est vraiment proche de vous. Devrais-je alors comprendre que tu as un problème avec notre rapprochement? Non, pas du tout, mon roi. Mais je pense que vous devriez utiliser votre bonne position pour la rappeler à l'ordre. Ok. Si je devais l'appeler pour lui en donner l'ordre, fais-moi une faveur en me disant spécifiquement ce que est le problème entre vous deux et je saurai m'y prendre. Elle est en train d'inciter sa fille contre le reste des membres de la famille. Cette Ada est la seule que mon défunt frère a laissée derrière lui. Le reste de toute la famille s'est engagé pour son progrès. Mais tu en penses autrement? Elle met vraiment une mauvaise sémence en cette pauvre fille. Et ça, ce n'est pas bien, votre majesté. Je pense qu'elle devrait arrêter. Shieke, je dois te dire que je suis heureux. Par le fait que tu sois venu me raconter tout ça.
j'ai vraiment été honoré. Tu m'as clairement montré que Ada est, en fait, entre les bonnes mains dans votre famille. Oui, Majesté. Tu sais, cette Ada que tu vois sera mariée à mon fils, qui est le prince. Et toute personne qui voit en elle de la gentillesse, c'est bien. Dans la mesure où elle apportera de la gentillesse dans la famille. Tu comprends ce que je veux dire? Ada, se marier au prince, mais comment? Oui, Chieke, ça va arriver. Et tu vas bien voir ça quand ça va arriver. C'est très bien ça. Ada? Tu viens d'où? Bon après-midi. Je te dis d'où viens-tu et tu me dis bon après-midi? D'où est-ce que tu viens? Maman, j'étais sortie avec mes amis. Tu étais sortie? J'espère que ce n'était pas avec l'ami que je t'avais interdit l'autre fois. N'est-ce pas ça? Ne me provoque pas. Ne le fais pas dans cette maison. Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Hein? Chika est le seul ami que j'ai dans ce village et tu le sais bien. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu veux que je commence à l'éviter. Chika est une personne ordinaire. Il est juste comme moi. Hey, laisse-moi te dire, toi tu n'es pas ordinaire. Regarde, la royauté est en toi. Tu es né pour devenir reine. Alors tu ne peux pas t'allier avec de personnes ordinaires qui vont réduire ta personnalité. Maman. Je ne sais vraiment pas d'où est-ce que tu as piqué ces histoires de royauté. Mais c'est juste moi. Et j'aime les choses telles qu'elles sont. Ah. Même si je devenais la reine comme tu le veux bien. Oui. La simplicité coule dans mes veines. La même Ada que vient d'une famille humble et modeste. Où est la simplicité? Moi, je vois la royauté en toi, tu me parles de la simplicité. Laisse-moi te dire quelque chose. Hein? Ne cherche pas ma colère. Ne cherche même pas à le palper. Je te dis la vérité. N'ose même pas où. Tu as bien écouté. Allez, dégage de ma vie maintenant. Je suis une Ada ordinaire. Je n'ai même pas honte, toi. Je me connais moi-même. Elle n'a même pas honte. Quand tu vas te piquer un roi, tu n'auras même pas le courage de me dire ce que tu viens de me dire maintenant, là. N'importe quoi. Chidi, tu dois maintenant rentrer à la maison. Mais ma grand-mère m'a demandé d'aller avec toi. Je sais. Mais tu ne peux pas entrer dans la forêt avec moi de peur que tu puisses te blesser. Mais je peux t'aider à trouver du bois. S'il te plaît, rentre à la maison. Je sais pourquoi ta grand-mère t'a demandé de rester avec moi. J'ai toujours pris soin d'elle et elle me prend pour sa fille. S'il te plaît, rentre à la maison. À mon retour, je viendrai te voir. Tu me manques déjà, tu sais. Approche. Tu me manques aussi. S'il te plaît, rentre à la maison. Je viendrai te voir à mon retour. Ok. Passe mes salutations à grand-mère. D'accord. Bye bye. Bye. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et la fille de cette folle. Maman, c'est de la maman d'Ada que tu parles. Et pourquoi tu dis qu'elle est folle? Elle est folle. C'est pourquoi elle est venue jusqu'ici pour m'insulter. Jésus-Christ. Maman, tu veux dire? La mère d'Ada est venue ici et t'a insultée. Elle m'a qualifiée de tout sauf rien. Cette folle qui n'a jamais respecté son mari. Enfin, je ne la blâme pas. Je blâme mon fils qui tombe amoureux de n'importe quelle fille. Oui. Mais maman... Ne sois pas fâché, oh. Dis-moi un peu. Suis-je amoureux? C'est évident que tu as perdu tes sens. Tu ne sais même pas. Bien, je n'ai pas de réponse pour toi maintenant. Jusqu'à ce que je te verrai avec cette fille. C'est là que tu auras ta réponse si tu es tombé amoureux ou non. Un garçon stupide. C'est à cause de toi. Maman Lada, pourquoi? Et pourquoi tu as fait ça? Tu viens jusqu'ici pour insulter ma mère. Comment peux-tu venir jusqu'ici insulter ma mère? Maman Lada,
Je n'apprécie pas ça. Non, pas du tout. Maman. Maman, je suis déjà très très fâché. Maman, est-ce que tu peux m'aider avec ce nom-là? Comment t'es insulté? J'aimerais aller lui retourner la même chose, maman. Dis-moi. Comment t'es insulté, maman? Dis-moi. Dis-moi, maman, s'il te plaît. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je sais ce qui se passe dans ta tête. Tu te demandes pourquoi est-ce que je me suis habillée de la sorte, n'est-ce pas? Exactement. Parce que ça, c'est pas ton style vestimentaire. Mm-hmm. Pourquoi ce soudain changement, maman? En tant que la mère de la reine, c'est comme ça que je dois maintenant m'habiller. À partir d'aujourd'hui, c'est mon style d'habillement. Donc, maman, tu as opté pour un nouveau style du genre reine-mère? Ouais. Pendant que je ne suis même pas encore devenue la reine. Maman, s'il te plaît, calme-toi. C'est pas que ce de se calmer, ma fille. Je sais que tu n'es pas encore devenue reine, mais très bientôt, tu le seras. Et si je refusais? Et si je te disais que je ne voulais pas devenir reine? Je ne veux pas de la royauté, je veux mener une vie simple. Maman, s'il te plaît, je ne veux pas de ça. Arrête! Bébé, ma chère, ce mouvement-là que tu fais là, c'est trop tard. Bon, parce que... tu dois devenir reine, que tu le veuilles ou pas. J'ai déjà fait le deal avec le roi. Tout le peuple de Omodike savent que tu seras la prochaine reine. Même le conseil des anciens ne peut l'empêcher. Maman, pourquoi y a que ton bonheur qui te préoccupe? Tu ne te soucies même pas de mon bonheur. Ta propre fille, le bonheur de ta fille, maman, tu ne te soucies pas de ça. Dis-moi, pourquoi? Hein? Oh, ma chérie, pourquoi est-ce que tu te stresses? Dis-moi, pourquoi même? Écoute, pour ton information, le prince vient ici aujourd'hui. Il viendra ici? Mm-hmm. Pour faire quoi? Pour te voir, bien sûr. Et je te supplie, dès que tes yeux seront fixés sur lui, tu vas sûrement tomber amoureuse de lui. Et tu arrêteras de crier comme un chien enragé. D'accord? Tu dois juste... en fait, donne-moi une pause. Je crois que c'est le prince qui est là. Et ne parle pas. Non, ne bouge pas d'ici. Reste là et fais une pause. Fais la pause. Oh, mon prince. Tout ça, le riz, l'huile, tout ça pour nous. Oh, mon prince. Comment est-ce que vous avez acheté cette marque? J'aime bien cette marque, mon prince. Bébé, dis quelque chose, non? Tu sais que j'aime bien ça, Movita. Merci beaucoup. Tu vois ce que je te disais? Ça, c'est le genre d'homme que toutes les filles à l'extérieur prient pour avoir. Et il est juste descendu du ciel pour toi, ma fille. Merci énormément, je vous en prie, mon fils. Je vous en prie. Merci pour le compliment. Ma joie vient du fait que Ada sera bientôt mienne et bien plus important que cela. Nous partageons le même sentiment. Ça, c'est bien. Exact. Vous savez quoi? Quoi? Elle parle de vous à tout moment. Ou arrête, ce n'est pas un secret. Et lorsqu'elle dort, elle rêve toujours. Elle appelle votre nom. Et je lui dis, tu ne le connais pas encore bien, mais tu appelles son nom. Et c'est comment? Vous savez quand je vais vous laisser, vous deux, hein? Alors prenez rendez-vous, parler. Pendant que je m'occupe de mes cadeaux, avant que vous changiez vos pensées. Bien sûr. C'est très gentil. Oh mon Dieu. Garde, viens m'aider s'il te plaît. Viens m'aider à débarrasser ces choses. Maman, arrête. Viens m'aider. Ok, aide-moi avec ces sacs de riz. Oh, tu es un homme très fort, hein? Vas-y, viens d'asseoir. Viens à l'intérieur. Viens d'asseoir, viens. Assieds-toi. Alors, bon, je veux prendre celui-ci. Oh, d'accord, merci beaucoup. Vous savez, en tant que reine-mère, je ne peux pas transporter ce genre de choses. Bien hein? sûr. D'accord, bien prenez sûr. Le temps de vous connaître. Hein? D'accord. Merci beaucoup, maman. Oh, mon Dieu. Hey, je suis bénie. Aïe. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Vas-y, je t'écoute. Mon père est très excité avec l'information que demain, tu viendras au palais. Donc,
je veux que tu mettes cette magnifique robe que je t'ai achetée. Elle a été confectionnée par le meilleur designer de Oumoudi, que tu vas aimer ça. Et je suis très sûr qu'elle t'ira parfaitement. Merci beaucoup, mon prince. Il n'y a pas de quoi. Mais sous votre respect, s'il vous plaît, je ne suis pas encore membre de la famille royale. Alors, est-ce que je peux mettre mes tenues habituelles? Habituelles? T'ai-je bien entendu dire habituelles? Non, ma chérie. Tu n'es plus habituelle. Tu es spéciale. Et plus tôt tu comprendras ça, mieux ce sera pour nous deux. Pourquoi êtes-vous si excité avec la nouvelle? Vous ne me connaissez même pas. Oui, c'est vrai, je ne te connais pas encore en profondeur, mais je te connais assez pour savoir que c'est avec toi que je vais passer le restant de ma vie. Quand tu viendras au palais demain, tu comprendras. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sous votre respect, est-ce qu'on peut se rencontrer ailleurs? Quelque part loin du palais. Je n'ai pas encore pris ma décision concernant cette relation. Je suis confuse. En tout cas, je ne sais quoi faire. S'il te plaît. Je comprends comment tu te sens. Je suis désolé de te décevoir, ma chérie, mais ces arrangements avaient déjà été fixés depuis. Qu'aucune raison ne pourra annuler ça. Mais je te connais déjà assez pour savoir que tu es la meilleure des choses qui me soient arrivées. Avec qui je vais partager tous mes moments, ainsi que toute ma vie. Quand tu vas venir au palais, tu comprendras cela. Ada? Ada, qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Allez, sors de la vide. La voiture qui doit t'emmener au palais est déjà arrivée, mais tu continues à traîner les pas. Hey, arrête-toi là. Maman, bon après-midi. J'étais de passage et je t'ai vu, je voulais venir te dire bon après-midi. La ferme. Qu'est-ce qu'il y a de bon cet après-midi? Hein? Qu'est-ce que tu fais chez moi? T'es-tu perdu pour te retrouver dans ma parcelle? Combien de fois t'ai-je interdit de venir chez moi? Hein? Un ivrogne. Écoute, ma maison n'est pas un bar, alors sors d'ici. Maman, désolé, mais je ne suis pas ivre, maman. Hein? Oui. Donc tu cherches à boire? Non. Et tu m'appelles maman? Suis-je comme ta mère? Maman, suis-je comme ta mère? Écoute, à la place que je mette un enfant comme toi au monde, je vais préférer être sans enfant. N'importe quoi. N'ose plus jamais m'appeler ainsi. Écoute-moi bien. Si je dois encore te voir ici chez moi, tu vas voir. Maman, s'il te plaît, avant que je ne parte, est-ce que Ada est là? Je t'ai chassé d'ici. Allez, vas-y, sors maintenant. N'importe quoi. Espèce de singe. Singe! Hey! Regardez-moi celui-ci. Il n'a même pas honte. Hein. C'est pas juste. Et toi aussi. C'est pas bien. Tu n'as qu'à la fermer, hein. Si c'était pas pour le palais, hein, tu allais me sentir. Tu n'as même pas honte, hein. Tu veux me faire parler à tout moment. Des fois, tu me nerves. Allez, dégage-la maintenant. Ada, ça c'est la Jeep qui est venue te chercher pour t'emmener au palais. Maman, je vais marcher. Tu sais que j'aime bien faire le pied. Hein? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut partir? Les princes vont me trancher la gorge si je ne pars pas avec toi. Va dire au prince que cette fille viendra seule. Je vais marcher. J'adore faire le pied. Excuse-moi. Ah ah! Comment est cette fille? Entre dans la voiture qui est venue te chercher, non? Hey! Ma fille est ici. Je ne sais pas si on me l'avait changée à la naissance. Si on lui met quelque chose dans la bouche, elle va la faire sortir pour la mettre elle-même. Hey, regardez cette idiote. Elle marche. Dépêche-toi! You make me cry.
Vas-y, chauffeur. Suis-la vite. Votre Majesté, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre intervention dans cette affaire. Mon mari veut amener une autre femme. Ah oui, je veux te faire savoir qu'il n'y a absolument rien de mal avec un homme voulant épouser une autre femme parce que nous nous basons sur la tradition. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi? Justement parce que il doit y avoir une raison qui pousse un homme marié, surtout dans la lignée royale, de se chercher une deuxième femme. Père, avec tout le respect que je te dois, il n'y a aucune raison, je ne sais pas encore quoi que ce soit d'autre, pour lui d'emmener une autre femme dans sa maison, alors qu'il est marié à ma sœur. Il devrait se sentir chanceux, privilégié et béni d'être marié à une famille royale au lieu de traiter ma sœur comme une moins que rien. Quiconque a manqué de respect à ma sœur l'a également fait avec moi, de même qu'avec toi, père. Oui, mon fils, je voulais juste te comprendre. Et ça, ce n'est pas la manière dont les choses sont jugées. En tant qu'homme qui se met en position d'autorité, avant de juger quelque chose, je veux d'abord comprendre toutes les dynamiques du problème avant de se décider. Et je suis en train d'insister car je sais. Y a-t-il une raison spécifique que ton mari t'a dite qui les pousse à aller épouser une autre femme? Bien. C'est parce que jusqu'ici, je ne lui ai pas encore donné un garçon. Et étant l'unique fils de ses parents, il trouve qu'il doit avoir une autre femme qui peut lui donner des enfants masculins. Peux-tu imaginer ce n'importe quoi? Peux-tu imaginer cette raison ridicule? Est-ce qu'Anna est une déesse? Est-ce elle qui met des bébés filles dans son ventre? Devait-elle être responsable de ça? Père, je t'en prie, je veux que tu envoies tous les conseils des anciens pour aller jusque dans sa maison. Ramener cet idiot ici lié avec une corde au cou. C'est ce que tu devrais faire. Bien. Ah là, je veux que tu ailles à la maison. Qu'est-ce que tu as dit, père? Va à la maison. Crois-moi, je vais en finir. Attends une minute. C'est tout? C'est comme ça que tu juges l'affaire? Tu veux qu'elle rentre à la maison et toi, tu vas rester résoudre le problème? Non, et c'est tout? Bien sûr. Bonjour, Majesté. Oui, Ibé, comment tu vas aujourd'hui? Oui, je vais très bien, Majesté. Oui, c'est quoi le problème? J'ai un message pour le prince. Si vous allez m'excuser, Majesté. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher? Ok, c'est quoi? Il a dit qu'Ada est ici pour me voir. Père, je t'en prie. Nous parlons de ta fille ici. Quiconque manque de respect à ta fille te manque également de respect. Envoie le conseil des jeunes pour aller chercher cette crapule et le ramener ici. Il doit être ramené ici avec une corde au cou, c'est ce que tu devrais faire. Hey. Tu devrais vraiment grandir, sale. Va rencontrer tes visiteurs. Très bien, Votre Majesté. Merci, mon prince. Votre Majesté, j'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, aidez-moi à résoudre ces problèmes. Trouvez un moyen pour m'aider dans cette situation. Ce serait une honte de voir un membre de la famille royale partager son nom avec une autre femme. Il y a quelque chose que tu dois apprendre, Anna. Nous avons une tradition dans notre petit coin du monde. Cette tradition, nous devons faire notre mieux pour la protéger. Et moi, je ne permettrai à personne de vouloir apporter son idéologie afin de bafouer notre tradition. Je ne lui permettrai pas. Votre Majesté, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? La robe que je t'ai remise la dernière fois a été confectionnée par le meilleur designer que nous avons sur cette terre. Elle te fera paraître comme une vraie reine. Spéciale, exclusive et belle, mais pourquoi as-tu décidé de venir ainsi? Pourquoi? Je suis désolée, mon prince.
Y a-t-il quelque chose dont vous ne m'avez pas parlé? Je te parle de la magnifique robe que je t'ai achetée. Pourquoi ne l'as-tu pas portée? Pourquoi? S'il vous plaît, j'ai pas envie de parler de designer. J'ai pas envie que nous parlions de choses matérielles. Je ne suis pas une matérialiste. Personne n'a dit que tu l'étais. C'est juste que ça te rendrait très belle et les gens pourraient te... Les gens auraient beaucoup d'égards et de respect en te regardant, voilà pourquoi. D'accord, je n'aimerais pas te mettre en colère. Déjà que tu avais refusé l'accueil que j'avais prévu pour toi, donc voilà. Je suis désolée, mon prince. Je n'ai pas faim. S'il vous plaît, êtes-vous au courant de quelque chose entre nous? Je veux dire, connaissez-vous quelque chose entre vous et moi? Je ne comprends pas. Est-ce que cela veut dire que ta mère ne t'a pas informé? Informé? Mais au sujet de quoi? Je vous en prie, dites-moi. Je meurs de curiosité. S'il vous plaît. Oh, l'engagement dont on parle en est un qui avait été scellé par mon père, le roi, parmi les staffs des rois. Quelque chose d'insécable dont toi et moi ne pouvons rien faire pour l'arrêter. S'il vous plaît, dites-moi tout à propos. J'ai besoin de tout savoir. Cela a-t-il un lien avec moi? Cela a absolument tous les liens avec toi parce que ça te concerne quand tu avais 5 ans et moi 9. Tu ne le savais donc pas. Tant que je suis fiancée à vous, mais je ne sais rien à propos. C'est la toute première fois que j'entends ça. Oh mon amour. Mon amour, cela a toujours été ainsi. Cela ne fait que devenir une réalité parce que nos deux familles sont sur le point de le rendre parfait cette fois. Ada? 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 Qu'ai-je donc dit de mal? Ada! Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ogini, mais tu reviens du palais. Assieds-toi. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Le palais est un lieu de repos et de joie. Une personne qui vient de visiter le palais doit être heureuse. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, c'est quoi ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? À propos du fiançailles entre un enfant de 5 ans et celui de 9 ans. Maman, qu'est-ce que cela veut dire? Hey! Je t'en prie, maman, dis-moi la vérité, ne serait-ce que pour une fois. Je sais très bien qui t'a dit cette information. Ça ne m'étonne maman, pas. Regarde-moi et dis-moi la vérité, s'il te plaît, maman. Regarde-toi comment tu te comportes. Je sais que c'est ton monsieur stupide là qui t'a raconté cela. C'est lui qui t'a dit ça, n'est-ce pas? Dis-moi, maman. Cet imbécile n'attend jamais, hein? Comme il n'a pas encore atteint son objectif, il ne cesse pas, hein? Écoute, ce garçon est stupide, hein? Donc tu crois en tout ce qu'il te dit, hein? Donc tu as vraiment confiance en lui, n'est-ce pas? Quand est-ce que les gens vont rester chez eux à la maison sans rien dire? Tout ce qu'ils savent faire, c'est seulement... Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux le voir, va là-bas à l'extérieur. Maman, c'est pas bien. Tu dis quoi? Juste, comment as-tu pu? Comment as-tu pu, maman? Non, pourquoi? Prendre quelque chose. Que le fait d'être né dans la lignée royale ne fait pas de toi un leader. Tu es un leader simplement parce que ça a été confirmé. Tu es le prince royal et le prétendant au trône du royaume de Moudi. Je comprends bien le fait que je me sois toujours comporté comme un leader. Non, t'as pas compris. Si tu avais vraiment compris que tu es un leader, tu n'allais pas avoir de problème
avec un peuple ordinaire. Inkena, tu seras le roi après moi. Et si tu commences à avoir de problèmes avec des hommes ordinaires, quand il sera temps, ils vont t'abandonner. Tes propres sujets vont te désavouer. Tu n'es pas au courant de ça? Père, c'est sur moi que tu jettes le blâme maintenant. Tout ce que je veux, c'est que ces filles me soient livrées étant vierges. Et je vais te demander, Inkena, est-ce que tu es chaste? Attends une minute. Est-ce que c'est maintenant sur moi que l'on redirige ces sujets maintenant? Nous parlons de la fille que tu as trouvée pour moi, celle que je suis sur le point d'épouser. La même dont je commence à tomber amoureux. Elle est là à flirter avec un soi-disant garçon qu'on appelle Chike. Et j'en ai peur, avant qu'elle ne revienne ici, elle pourrait bien perdre sa virginité. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose, Inkena. À ma connaissance, Ada, la fille de Mbalashi n'est pas mauvaise. Qui n'a pas encore livré son corps aux mésusages. Je peux dire ça. C'est très bien. Je veux dire, qui suis-je pour ne pas croire en ton jugement? Et maintenant que tu as commencé à attirer plus d'attention sur la virginité, je me dois de te dire quelque chose. Que la virginité n'est plus actuellement le véritable test de la vertu. Que veux-tu dire par là? Ce que je veux dire, c'est que nous avons vu des femmes qui ont été données à leur mari, étant vierges. Et après un moment, elles se livrent à expérimenter leur vie. Elles vont te montrer des choses. Elles vont se transformer en démons. Non seulement démons, mais ont vraiment détruit leur mari. Elles vont devenir ces genres de démons qui vont mettre tous les royaumes en feu. Et d'autre part, j'ai également vu des femmes qui ont vécu le meilleur de leur vie et se sont bel et bien réjouies du bonheur de cette vie. Et surtout, elles se sont mariées sans être vierges. Mais à un moment, elles se sont mises dans cette posture de vivre cette expérience de devenir femme. Elles ont changé et sont transformées exactement en ce qu'une femme doit être. Elles deviennent femmes des vertus. Plus jamais esclaves de leur vie vécue dans le passé. Je veux que tu puisses comprendre ce qu'elle peut être. Apprends à juger une femme par ce que tu as appris, ni en se basant sur ce qu'elle aurait fait avant de te connaître. Tu dois juger une femme se basant sur ce qu'elle est en train de faire. Tu dois juger une femme sur ce que tu es en train de voir. Tu dois également juger une femme sur ce que tu y as expérimenté. Ça, c'est exactement ce que tu dois faire. Et ça, c'est le genre de leader que je veux que mon fils puisse être. Oh non, 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 arrête ça. N'ose plus jamais me toucher, hein. Je n'aime pas ça. Arrête ça, oh. Je suis surpris que tu sois en train de me résister. Je pensais que tu allais me revenir juste quand tu as entendu que ma femme était morte. Oui. C'est parce que ta femme est morte, n'est-ce pas? Tu vivais avec elle, non? Pourquoi m'avais-tu abandonné pour aller vivre avec elle? Tu l'avais préférée à ma place, alors maintenant qu'elle est morte, tu veux revenir à moi? Oh, s'il te plaît, je t'en prie. C'est quel genre de bêtise? Pourquoi l'avais-tu épousée? Laisse-moi te dire, moi que tu vois là très bientôt, je te rendrai roi. Hey, ça vient d'où? Tu es où, Machiwe? Tu sais très bien qu'il n'est pas possible pour qu'une femme soit reine. Je sais que tu l'avais épousée pour revenir à moi un jour. Et tu sais quoi? Ses sentiments sont déjà partis. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu sais, je pense... En fait, laisse-moi d'abord t'avertir. Je ne suis pas ce genre de femme que vous, les hommes, peuvent manipuler, partir et revenir quand vous voulez. Je ne suis pas ce genre, s'il te plaît. As-tu compris? Aïe. Ça serait mieux que tu oublies un peu ces choses. Tu vois. Tu sais que je t'aime beaucoup. Et je veux que tu reviennes vers moi. Oh, il parle de l'amour. Mais c'est quel amour? C'est quel amour dont tu parles? L'amour a déjà expiré. Surtout celui entre nous a déjà expiré il y a longtemps. Peu importe, quand tu parles de l'amour, là, ah, ça me donne la famine. J'ai vraiment très faim, ok? La fille qui t'apporte à manger, là, s'il te plaît, appelle-la.
qu'elle me l'apporte. J'ai très faim maintenant là, je n'arrive plus à parler. Oui. Je t'attends, je sais les genres d'amour dont tu as besoin. Regardez-moi ces garçons, je te connais très bien. Laisse-moi d'abord manger comme ça, j'aurai de l'énergie pour parler. Peut-être tu comprends, que tu dois lui parler. Oui, qu'elle m'apporte la nourriture. Non mais parle-lui. Ouais, vas-y. Oui, allô. Oui, je te dis ce que je veux. En fait, je veux la soupe de bonga, tu comprends, hein? N'oublie pas d'y ajouter les toki dessus. Tu comprends ce que je dis, non? Mets ça très bien. Non, excuse-moi, je pensais que c'était un appel vidéo WhatsApp. Comprends-moi, j'ai très faim. Arrange ça très bien pour moi, je t'en prie, hein? D'accord, n'oublie pas le piment, s'il te plaît, je t'en prie. D'accord, merci pour ton téléphone. Ah, en tout cas. Sommes-nous obligés de faire ça, maman? Je n'ai pas les droits d'épouser l'homme que j'aime. Nemo, l'homme que tu dois épouser doit être capable de prendre soin de toi, ma fille. C'est lui qui doit apporter la joie dans ta vie. Celui qui doit changer la situation du royaume d'Omodike. Et tu es sûre que si je me marie dans la famille royale, cela garantit les bonheurs? Tu en es vraiment sûre? Chalo, es-tu en train de me défier? Es-tu en train de me défier? Hein? Ce n'est pas de ta faute, hein? Ok? Je ne te défie pas, maman. C'est ça. C'est juste que toute ma vie, j'ai toujours pensé que je... Oh, c'est toujours à ça que tu penses souvent. À la pauvreté. Maladie. La bassesse. C'est toutes ces choses qui passent dans ta petite tête. Regarde-moi. Hein? Je suis une très bonne mère. J'encourage toujours ma fille pour me rassurer que tu sois toujours bien dans la vie. Que tu trouves un homme qui va t'aimer et t'habiller comme une reine. C'est tout ce que je veux de toi. Tu peux avoir raison. Merci beaucoup. Merci d'avoir planifié tout pour moi. C'est juste que... j'ai l'impression de désobéir à mon père. Hey! Écoutez-moi ce que cette fille est en train de me raconter. Ton père est déjà mort, enterré et pourri. Il peut aussi être en enfer pendant que nous parlons. Ah oui, bien sûr, ton père était très mauvais. Des gens pareils vont en enfer. Alors calme-toi, hein? Pensons au futur et regardons comment est-ce qu'on peut arranger les choses. Hey, je ne te comprends pas, ma fille, hein? Sois calme, hein? Toi, tu penses à ton père pendant qu'il n'est plus. Aïe, pense aux bonnes choses. Pense à comment arranger ton avenir pour que tu sois une femme demain. Tu vas faire la vérité, oh. Tu dois être calme, ma fille. Mon père est mon père. Hé, hey. Hein? Quel monde pathétique. Quelle honte. Donc, je suis une femme mariée et je ne le savais pas. Pourquoi je n'arrive pas à me rappeler? À 5 ans, je n'étais qu'un enfant. Une innocente fille. Attendez. Est-ce que mon père en savait? Le Dieu de notre terre, j'ai besoin d'une réponse, je vous en prie. Quelle journée! Quelle honte! Maintenant, je sais d'où viennent ces noms pathétiques des reines. Qu'est-ce qu'une mère peut créer encore comme distraction dans la vie de sa fille? Elle me prive de mes droits, mes opinions, mes décisions et mon bonheur. Je dois aller vivre dans la maison de mon mari. Et je suis très confuse. Je ne sais quoi faire, papa.
Dis-moi, papa. Faisais-tu partie de ces plans? C'est vraiment ce que tu voulais de moi? J'aurais voulu que tu sois en vie, papa. Je te connais. Je sais que tu allais me tenir la main jusqu'à la maison de mon mari. Je sais que tu allais me conseiller. Pourquoi tu n'es pas là? Merci, papa. Je savais que tu allais m'écouter. Je savais que tu me répondrais. Je savais que je devais venir chez toi. Je t'en prie, papa. Protège-moi. Veille sur moi. J'ai vraiment besoin de toi, papa. Je t'en prie. Mon oncle, qu'est-ce que tu sais de cette histoire? Pas vraiment. J'ai entendu le roi le dire lui-même. Mais de toute honnêteté, j'ai l'impression qu'il plaisantait. Comment est-ce que la seule fille de mon défunt frère peut se marier et je ne suis pas au courant? S'il te plaît, mon oncle. Je suis vraiment désolée du fait que ma mère ne t'a jamais parlé de ça. Tu connais ma mère, n'est-ce pas? Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait où? Ada, il n'y a eu aucune cérémonie où on a eu à payer ta dot. C'est fait où? Ma mère a dit que la dot a été versée quand j'avais 5 ans et le prince avait 9 ans. À qui on a payé? Mon frère Idoudou, ton père, était encore en vie quand toi tu avais 5 ans. Et il ne m'a jamais parlé d'une telle histoire. Alors dis-moi, qui a reçu cette dot? Je t'en prie, mon oncle. Oublie tout ça. Pitié, s'il te plaît. Je vais devenir la femme du prince. Alors, que veux-tu de moi? Mon oncle, j'aimerais que tu puisses m'accompagner à la maison de mon mari. Jamais! Je ne peux pas le faire. Tu as quoi? Mon oncle, mais pourquoi tu me fais ça? Hein? Rappelle-toi, tu m'as toujours dit que je pouvais compter sur toi comme famille. Et par là, tu veux que je soutienne ce qui n'est pas en accord avec notre tradition, la tradition de notre terre. Si ta mère dit que tu es déjà mariée au prince, alors très bien, laisse-la finir ce qu'elle a déjà commencé. Moi, je ne ferai pas. Mon oncle, s'il te plaît. S'il y a autre chose que tu veux que je fasse pour toi, dis-le-moi maintenant. Mais si c'est pour ça, ne compte pas sur moi. Je t'en prie. Je t'en prie, mon oncle. Allez, s'il te plaît. Laisse-moi te dire la vérité. Itchéike, mon frère, a raison. M'as-tu entendu? Ta mère nous a ignorés. Et t'a donné un mariage au prince. Elle t'a marié au prince. Le mieux pour elle serait de finir ce qu'elle a commencé. Tontine, s'il te plaît. Pitié pour l'amour du ciel. S'il te plaît. Tu es une femme comme moi. Même si les hommes m'abandonnent, même s'ils me tournent le dos, tu ne peux pas me faire ça, pitié. Je veux que tu sois la personne qui va me tenir la main et m'accompagner jusqu'à la maison de mon mari. Pitié, tontine. Bah non, non. Non, jamais. Ne t'attends pas à ce que je t'accompagne. T'accompagner où? Écoute, laisse-moi te dire. Ma famille est très organisée et très respectueuse. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec elle. Elle doit arrêter avec cette folie. Tantine, ma mère n'est pas une folle. Oh, c'est juste qu'elle se soucie beaucoup de moi. Elle n'est pas une folle. Écoute-la, malheureuse. Ma mère n'est pas folle. Elle ne fait que se soucier pour moi. Ta mère t'a déjà influencée par sa folie. Écoute-moi. Tu vois ce courage que tu as eu de mettre ses pieds chez moi, d'arriver jusque dans ma maison. C'est bien, je l'apprécie. Mais sache que moi, je ne t'accompagnerai jamais. S'il te plaît. C'est pas Zouzou. Je n'irai nulle part. Je suis là jusqu'à ce que tu veux m'accompagner. Regardez-moi cette fille. Va-t'en de cet endroit. Quand ta mère profitait de bien de ton père, toute seule, s'est-elle souvenue de nous? Tu surgis ici pour que je t'accompagne. T'accompagner où? De guerre d'ici. Idiote. Dis à ta mère dès que tu es à la maison que je ne viendrai pas. Peu importe ce qui arrivera dans le temps, je suis prête à l'affronter maintenant, n'importe quoi. Tu veux me causer de problème ou quoi? Ne mets plus de pied ici. Dis à ta mère que je suis prête pour elle. Égoïste qu'elle est. Insensée.
Nanou Kordi, accompagne-moi. T'accompagner où? Je t'aurais averti. Je t'avais averti de ne plus jamais prendre une décision dans cette maison sans pour autant m'avertir. Comment tu es parti dire à ton oncle de te souffler là-bas au parler? Es-tu malade? As-tu perdu ta tête, hein? Maman, il est le seul oncle que j'ai. Il est comme mon père. Si je dois partir là-bas, c'est lui qui doit me tenir la main. Tu es une folle. Tu es une folle pour avoir dit ce genre de choses. Écoute, je suis ta mère. Et je suis aussi ton père. Alors tout est centré sur moi. N'ose pas me dire que c'est lui ton père. Ah, maman. Écoute, maintenant que tu pars là-bas, que ton oncle ou n'importe quel membre de ta famille ne vienne pas là-bas te rendre visite, tu m'as bien écouté. Sinon, tu me verras. Non, maman. Comment est-ce que je peux aller là-bas seulement avec toi? Non, qu'est-ce que tu veux dire par seulement? Non, mais tu me qualifies de seulement? As-tu perdu la tête? Hein? Laisse-moi te dire au cas où tu ne connais pas. Écoute, je suis prête à la guerre, d'accord? Je suis une star qui brille. Et dans toute votre famille là, personne ne pourra me faire tomber. Ils ne peuvent même pas voir mon dos. Alors pour ton information, ma sœur Rose et moi allons t'emmener au palais. Que quelqu'un de ta famille seulement nous suive. Tu verras ce que je vais te faire, ma fille. Attends. Maman, pourquoi? Pourquoi tu me fais ça, maman? Pourquoi? Tu ne fais qu'éviter tout le monde. Tu as dit que tu étais une étoile. Mais nous voilà si pauvres. Oh, tu es intelligente. Voilà pourquoi j'étais mariée à la première famille de ce royaume. Tu dois être heureuse d'appartenir à cette famille. Regarde-toi, tu es une reine. Quand tu seras là-bas, tu marcheras tête haute, avec dignité. Parce que tu es une reine, fais ma fierté. Tu ne sais que pleurer. Regarde-toi, ma fille, tu dois être reconnaissante avec ta mère. Pourquoi toujours cette attitude, dis-moi? Ce n'est pas normal ce que tu fais. Je cherche ton bien. Tu dois changer ton comportement, hein? Non, 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 non. Tu dois être reconnaissante. Ah, sois quand même gentille, non? C'est comme ça que tu continues. Ma jolie, élégante fille. La fille de grâce. Mon roi. Je vous présente ma fille. Comme vous avez complété le reste de la dot, je l'ai emmenée à vous comme ça. Vous allez la donner à votre fils, le prince. Ma magnifique belle-sœur. Tu sais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toutes les qualifications que tu as données à ta fille. Je suis d'accord. Tu sais que mon fils est vraiment excité de par l'information selon laquelle elle deviendra sien. Et il a accepté qu'il soit son mari pour le reste de sa vie. Et il est vraiment, vraiment excité pour cette information en particulier. Et les voici venir. Inkena, mon fils. Le prince royaume de Ubudike. Et les successeurs du trône. Mais tu n'as pas besoin d'en dire plus. C'est avec joie que j'ai accepté de prendre cette fille du plus profond de mon cœur. Et avec la force de la déclaration de mon fils, cette acceptation de marque devant le roi, et en ma qualité du roi de Moïdike, je déclare par la présente. Il ne faut faire aucune déclaration ici. Voulez-vous respecter Onyézé? Ne faites aucune déclaration jusque-là. Non. Qu'est-ce que c'est? Ok, Aleka. Tu ne peux pas interrompre le roi pendant qu'il parle. Et l'homme de mon calibre te dit que je n'ai pas interrompu mon roi. Oui, c'est mon roi. En tant que Onowu, le premier ministre de ce royaume, je le conseille, je le guide. Oui, j'ai mes yeux sur lui. Onowu, calme-toi. Calme-toi, Onowu. Je peux voir que tu es en train de bouillir. Calme-toi. Je veux entendre exactement ce que tu as à dire à ton roi. Mais merci beaucoup. Voulez-vous respecter Onyézé? Le conseil des anciens a un sérieux problème.
avec le modèle de ce mariage. Tout ce qui concerne ce mariage. Et nous, en ensemble, dans les conseils des anciens, nous sommes décidés... sur quoi? Oh, on a oui collé ça. Le premier ministre, tu n'as pas cette permission. Tu désires le trône ou tu ne veux pas du roi? Tu ne l'auras jamais. Et pour ton information, le deal était déjà fait. Il n'y a rien que tu peux faire à propos. Onou, ne pense pas. Ne pense vraiment pas que ta suggestion a été bannie. Non! Je n'ai pas non plus mis de côté tout ce que tu as dit ici. Mais je demande d'urgence. Que tu me donnes en fait le temps pour penser dessus sur tout le point que tu as énuméré. Ainsi épinglé ici. Et présentement, Onou, je te demande de permettre que cette occasion se déroule en paix. Tu es là. En ce jour si formidable, je bénis ce mariage. Et sois la bienvenue dans cette maison. Tu n'es plus la bienvenue comme une servante. Alors sois la bienvenue ici en tant que prochaine reine de ce royaume. Je veux que tu comprennes quelque chose. Il y a de ces femmes qui s'appellent elles-mêmes reines. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont devenues de vraies reines. Et toi, tu es devenue la reine d'Oumoudiké par la déclaration royale. Et je vais te demander de développer et de voir ton humeur changer en reine. Pour les comptes de personne, toi, tu ne dois avoir peur des personnes. Pour le compte de personne, tu es obligé de dire je ne sais pas. Et à chaque fois qu'il te sera posé une question dont tu n'as pas eu une réponse, demande-leur de te donner le temps de vous chercher de la réponse. Qu'il en soit ainsi pendant tous les jours du marché. Ici. Et toujours ainsi pendant tous les jours du marché. Qu'il en soit ainsi pour vous deux. Ici. Qu'il en soit ainsi pour vous deux. Ici. Merci. Ma merveilleuse sœur. Tu peux le dire encore. Tu es très splendide. Merci. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux de ma vie. Les jours que j'ai accomplis, le désir de mon cœur. Je peux le voir sur ton visage. Merci. Mais notre fille ne partage pas cette joie. Qu'est-ce que tu veux dire? T'inquiète. Elle est déjà mariée. Ce que nous attendons, c'est la nouvelle de la grossesse. Ça sera une bonne chose. Mais je ne crois pas qu'Ada est contente. Pourquoi? Grande sœur, je vis Ada dans sa maison avec son mari, en train de faire couler de larmes. Ah! Tu n'avais pas compris. C'était les larmes de joie. Tu sais qu'elle est l'unique enfant. Alors elle avait très mal de quitter leur maison familiale. C'est une chose à comprendre. Comme elle est déjà mariée, elle va commencer petit à petit à avoir le goût. Hein? Et elle va trouver les bonheurs qu'elle cherche. Si tu le dis... grande sœur, qu'est-ce que tu fais maintenant? Vas-tu aller habiter au palais? Bien sûr que non. Ça ne sera pas bien de ma part. Ça sera vraiment ridicule, tu vois un peu, hein?
Mais c'est parce que tu te nommes la reine mère. Mais je suis la reine mère. Adan et moi. Ma fille est la reine et moi je suis la reine mère. Et tu sais quoi? Je veux régner dans ce royaume. Alors prochainement, ne doute pas de moi. Je suis la reine mère. Adan et moi, arrose. C'est bon. J'avais tellement de doutes. Je suis heureux que nous ayons pu finalement arranger tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant que ma mère ne meure, elle m'avait fait une promesse. Que j'allais me marier avec une femme avec un cadeau spécial. Une voyante. Une fille avec le pouvoir, avec la capacité de voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Comment est-ce que ta mère ne savait même pas que tu avais un tel don? Parce que j'avais reçu l'interdiction de les dire. Je ne pouvais les révéler qu'à mon mari. Alors je devais les faire avant que quoi que ce soit ne se passe entre nous. Je vois. J'ai un cadeau pour toi. Quoi? Quel cadeau? Quelque chose de spécial que ma mère m'a donné avant qu'elle ne meure. Elle m'avait demandé de la remettre à la femme à qui je donnerai mon cœur, celle qui m'apporterait la joie ainsi que celle avec qui je passerai le restant de mes jours. C'est toi. Je vais te demander de m'accorder 5 minutes. Je reviens tout de suite. D'accord. Le mari que ma mère m'a choisi, je n'ai pas d'autre choix que celui de t'aimer. Ferme tes yeux. Mes yeux sont fermés, mon cher mari. Tu n'as aucune idée de comment je me sens ces jours-ci. Tu sais, ceci me rappelle beaucoup ma mère. Ça te va à merveille, chérie. Ouvre tes yeux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chérie. Ça doit certainement être mignonne. Pas aussi mignonne que tu l'es. C'est un positif, Aura. Merci beaucoup, mon mari. Je devrais te remercier pour être entrée dans ma vie, d'avoir accepté d'être ma femme et d'avoir accepté de faire partie de ma vie. Merci. Ça veut dire quoi tout ça? Mais que veut dire tout ceci? Hein? Je pensais qu'on en avait parlé. On en a parlé, tu avais promis.
Pourquoi tu continues de me résister? Tu sais de toi-même que je suis toute à toi. Je ne vais pas fuir. Je sais que tu ne fuiras pas, mais tout ça ne sert à rien si je ne peux faire le premier pas. Je t'en prie, mon amour, que notre voyage commence par ceci. Je dois te sentir près de moi, mais tu es ma femme. Je t'en prie, laisse-moi accéder à toi, je t'en prie. Tu es au courant du rêve que j'avais fait. Nous devons y réfléchir. S'il te plaît, il faut qu'on en parle. Ça, c'est ce qu'on dit. Les filles natives ainsi que les sorcières, les filles des sorcières, tous les clans des sorcières sont connectés avec mon père. Nous en avons déjà parlé. Je leur ai briefé à propos de ton rêve ainsi que de ce qui va avec. Je t'en prie, laisse-le faire leur travail. Laisse-moi faire le mien, je t'en prie. S'il te plaît. Je veux dire, laisse-moi le faire, hein. Les gens qui sont impliqués directement dans un problème doivent se débrouiller pour trouver la solution. Nous devons trouver la solution. Tu m'as pratiquement ignoré pendant toute la nuit. Hier, nous avons dormi ensemble. Rappelle-toi. Nous avons dormi ensemble, hier. Souviens-toi, comment avons-nous dormi? Il y a une différence entre dormir ensemble en tant qu'un couple et un couple en train d'exercer leur droit conjugal. Mais tu m'as refusé ce droit conjugal et je veux en savoir la raison. Y a-t-il vraiment un problème? C'est juste que je ne suis pas heureuse du rêve que j'avais fait hier, mon prince. Rêve? Parle-moi-en un peu, quel rêve? J'avais vu mon mari à genoux entre les diables et la mer bleue. Qu'est-ce que cela veut dire? Dis-moi, qu'est-ce que cela veut dire? Le diable est pour les mâles. Et le mâle t'avait déjà mis à genoux. La mer bleue signifie la prospérité et le progrès. J'espère que mon mari suivra le droit chemin. Il ne donnera pas au diable cette chance. S'il te plaît. J'espère seulement que tu n'es pas venue dans ce palais pour devenir une prophétesse. Ce n'est pas pour ça que je t'ai épousée. Je t'ai épousée à cause de l'amour. Afin que tu me bénisses d'amour, que tu me combles d'amour, aime-moi. Mais ne deviens surtout pas une prophétesse. Et ne me refuse pas mon droit conjugal. Sois ma femme. Aime-moi. C'est ce pourquoi je t'ai épousée. Tu auras toujours une place dans mon cœur. Je suis là pour toi. En fait, je suis venu te voir. Ah, ce n'est pas une mauvaise idée, mais en tant que la reine mère, hein, je dois faire attention aux choses que je fais. Parce que les gens sont en train de m'observer. Je dois être un bon exemple. Oh, je sais, c'est pas un problème. Nous en trouvons toujours une solution. Ok, faisons ceci. Je viendrai m'installer quelques temps chez toi et toi aussi tu le feras. Je peux venir quelques jours et puis je... Ok, il n'y a pas de problème si tu dis ça. Amadi, je dis ça. Hey, Amadi, dis-moi un peu alors, l'argent que tu m'avais promis. Oh, ton argent, il est là. Il y en a ici. Que tu ne crois pas. Amadi, Amadi, qu'on te laisse. À toi vraiment, ouais, c'est tu es merveilleux, je te dis, oh mon cher. Quand tu promets, tu réalises.
Hey, Amadi. Amadi le roi. Amadi le tigre. Amadi, Amadi le chef. Amadi. Tu veux les dire ce soir? Tu veux que je vienne ce soir? Oui, ce soir. Tu veux que je vienne ce soir? C'est vrai. Hey, Amadi. Lorsque je veux venir, je veux t'apporter quelque chose de bien. Oui. D'accord, t'inquiète, je serai là. Tu sais quoi, lorsque je vais venir en route, je te respecte, tu sais. Je serai toi. Comme une poupée, je te dis. Attends, ah, vraiment, oh, tu es terrible. Je serai très belle pour toi. D'accord, on va dire, moi je te laisse. Ne me descends pas, oh. Je vais t'attendre. Ça, c'est mon bébé. Ah oui. Mais attends, papa. Mais tu m'as dit qu'il n'avait pas d'argent pour me payer les frais scolaires, papa. Mais d'où vient l'argent que tu as donné dans maman Ada? Regarde-moi ces bêtises. Qui t'a donné le droit de me poser ce genre de questions? Avec cette attitude, quel est le bien ou quel est le bénéfice que tes études m'apporteront? Parce que je sais certainement que tu ne vas pas les finir. Maintenant, disparais. J'ai dit disparais. Papa, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, papa. Ne crois pas que je vais te blâmer parce que tu n'avais pas assisté à mon mariage. Il n'y avait même pas eu de cérémonie. T'inquiète, c'était compris. Ton oncle s'est plaint, disant que ta mère était en charge toute seule de ton mariage. Cette femme est très puissante. Elle s'est rassurée que personne dans la famille ne puisse être impliqué. Tu ne vas pas y croire. Il n'y avait que ma mère et sa sœur Rose qui étaient présentes. En fait, moi je sais que le mariage est une affaire familiale. C'est tout le monde qui s'y met. On n'exclut personne. Personne alors. C'est ça. Mais c'est déjà fait. Mais voilà la reine du royaume d'Oumoudi. Attends, tu le confirmes déjà? Je veux dire, tu le proclames? Oui, bien sûr. Et ma mère, elle se proclame déjà partout qu'elle est la reine mère. S'il te plaît, mon ami. Tu ne peux pas faire partie des gens qui m'appellent reine. Tu sais que je suis toujours ton amie. La simplicité coule dans mes veines. N'est-ce pas? N'est-ce pas vrai que tu es la reine de ma terre? Je dois te respecter tant que telle. Mes salutations, ma reine. Qu'est-ce que tu viens Salut, de dire? Salut, mon ami. Allez, approche. Merci. Vraiment, je suis très fière de toi. Merci pour l'opportunité. Je t'en prie. Tu es très mignonne. Oh. Ike, ou peu importe ton nom, comment ne vas-tu interdire de mêler dans les affaires de ma famille? Je ne vais jamais te laisser tranquille parce que tu détruis ma famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as tué mon frère et Doudou. Tu penses que je ne sais pas? Oh, attends. Tu m'accuses d'avoir tué ton frère? Comment peux-tu accuser une femme d'avoir tué son mari? Tu peux faire usage de sentiments pour me faiblir, moi. Mais au fin fond de ton cœur, tu sais que je te dis la vérité. Attends. Tu me traites d'une meurtrière? Ouais. Tu as tué Odoudou, mon frère, parce que tu as planifié de faire glisser Ada dans le palais royal. Mon frère l'a découvert, tu l'as fait tuer. Tu donnes des fausses allégations. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vas le payer. Tu sais que tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. D'ailleurs, tu es déjà maudite. Hein? À qui tu dis ça? C'est toi-même ou moi? C'est toi qui es maudit. C'est toi-même. Puisque tu as trompé tout le monde par tes complots, tu es ce que tu as tué et a fait épouser Ada dans le palais royal. Qu'est-ce que tu as gagné? Mon frère aurait pu finir cette maison, l'achever si tu ne l'avais pas tué. Maintenant, tu habites dans une maison non achevée. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as exactement gagné? Peux-tu sortir de chez moi?
dégage avant que je ne puisse aussi te tuer. Tu ne peux pas le faire. Tu sais que tu ne peux pas. Mais laisse-moi te dire. Un jour arrive où ta méchanceté atteindra son paroxysme. Et avec tes yeux, tu verras comment tu t'es prise toi-même au piège. Alors, tu commenceras à demander le pardon. Mais ce sera trop tard parce que personne ne te pardonnera. Retour à l'expéditeur. Tout ce que tu prononces sur moi, là, ça va te revenir. Tu le verras. Ça t'arrivera. Tu le verras. C'est pas à moi, oh. Et tu vas te repentre. Oh, oh, c'est quoi ça? Regardez-le. Sors de chez moi. Tu le verras. Avec tes yeux, tu verras ce que tu t'es fait toi-même. Femme méchante. Espèce de méchant. Tu es quel genre d'homme, toi? Tu es vraiment méchant. Tu n'as pas honte de venir me dire de n'importe quoi. Ne reviens plus ici, hein. N'importe quoi. Méchant. Idiot. Ne reviens plus ici, oh. Ne te mêle plus de mes affaires, je te dis. Hey. Grande sœur, à ma connaissance, Ike est le genre de personne qui ne disent pas les choses juste pour dire. Hein? Tu veux dire quoi par là? Il ne dit pas des choses qui ne sont pas sûres? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, tu es ma sœur. J'ai su cette sœur pour toi qui restait à tes côtés tout au long de ta vie. Je crois que tu es sans ignorer que le meurtre est un crime très grave. Attends. En parlant comme ça, ça veut dire que tu es pour ce qu'il raconte pour moi, n'est-ce pas? Grande sœur, que je le croie ou non, ce n'est pas ça le problème. Ok, c'est quoi? Je te prie au nom de Dieu. Je te supplie pardon, étant que ta sœur. Dis-moi, si tu as eu une main mise dans la mort de cet homme, au moins je saurais comment m'y prendre. Je vois que cette discussion commence à devenir insulte. Quelle vérité es-tu en train de demander? Non, de quelle vérité parles-tu? Écoute, si c'est ta raison de venir ici, hein? Tu ferais mieux de rentrer chez ton pauvre mari. Tu dis aussi, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Tu te fâches pour rien. Écoute, si tu en finis avec tous ceux qui peuvent t'aider dans cette vie, à qui iras-tu pleurer quand l'esprit de cet homme commencera à crier vengeance? Oh, cela ne m'arrivera jamais. Qu'est-ce que c'est ça? Laisse-moi te dire ceci. L'esprit de cet homme va se venger sur toi. Et non sur moi. C'est quelle bêtise ça? Allez, maintenant sors de ma parcelle, maintenant. Ah, vas-y, lève-toi vite, allez, sors de ma parcelle maintenant. Grande sœur, attends. Attendre quoi? Attends. Grande sœur, as-tu remarqué que depuis qu'Ada s'est mariée au prince, c'est toujours de problèmes et de problèmes. Et il est la source de problèmes que je suis en train de chercher. Tu m'as bien compris. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Ada, ma fille, va se réjouir du prince. Et elle le fera jusqu'à la fin. N'as-tu pas compris ce que Ike vient de mentionner? Ça peut être la cause. Peux-tu sortir de chez moi? Allez, sors avant que je te frappe. Ce n'est pas jusqu'à n'importe quoi, je n'ai même pas honte de me parler des sottises. Allez, je la ferme, laisse-moi tranquille, c'est quoi ça? Allez, sors d'ici. Allez, vas-y, 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 vas-y. Tu n'as qu'à m'écouter. Qui est ta sœur? Es-tu sûr que nous sommes sœurs? Allez, vas-y. Il ne sort qu'il ne comprend pas. Tu auras la solution à ça. Allez, vas-y, sors. Elle n'a même pas honte. Allez, tu vas aussi me dire n'importe quoi. C'est quoi ça? Tu veux exagérer, hein? C'est quoi ton problème? Ne te mêle plus de mes affaires, je refuse. Hein? Viens. N'importe quoi. Mes salutations, conseil des anciens. Vous avez le devoir d'aider Sa Majesté le roi dans ses problèmes. Je veux dire, cette femme peut épouser le prince. Oui, mais elle n'a pas le droit d'interférer dans les affaires de la famille royale. Non. Avec tout le respect, princesse Anna, tu ne peux pas contredire ta reine juste comme ça. Elle a donné un excellent jugement et tu peux voir comment est-ce que les gens lui ont applaudi. Laissez-moi rectifier quelque chose ici. Il est normal que nous ayons tous des différends quant à cette relation. Mais elle est déjà mariée au prince et le roi vient de la déclarer reine. Où est le problème?
Ça ne lui donne pas le droit de faire des jugements sur moi. J'ai pris ce garçon parce que j'avais besoin d'un enfant masculin. Parce que tu l'as voulu, que tu as eu l'audace d'aller en voler un. Et tu continues à avoir cette audace de te tenir pour te défendre. Pourquoi tu es stupide à ce point? Ne me provoque pas avant que je te rappelle à quel point tu es stupide, jeune fille. Mon roi commence à me qualifier de tous les noms à cause d'un commun des mortels. Ce n'est pas du tout juste. Princesse Anna, arrête de te sentir ainsi. Nous savons tous pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Et ce que tu as fait est très très mal. Voler l'enfant d'une autre mère est très mal. Arrête d'embrouiller notre roi avec tes sentiments. On le connaît bien. Il ne peut jamais supporter le mal. Nous savons qu'il est très vénérable. Et plus important, continue à prier et croire en Dieu pour que cette faveur te soit accordée, mais au moment précis. Il sait. Anna, ne te sens pas mal du fait que j'ai haussé les dents. C'est juste que je ne suis pas heureux. Je ne suis pas du tout heureux sur ce qui s'est passé. Et surtout, ne te fâche pas, hein. Ne te fâche pas. Arrête de développer cette colère, hein, contre la reine. Ce qu'elle a fait est normal. Et je t'ai dit qu'à la longue, tu comprendras ce qu'elle a fait et ce que toi tu as fait aussi. Tu comprendras. D'après mon opinion, je fais ce qu'il fallait. Je m'attendais à ce que mon mari puisse être fier de moi, alors pourquoi cette colère? Pourquoi cette colère? Non mais est-ce que tu t'entends parler? Pourquoi cette colère vraiment? Tu ne t'es fait aucun remords, tu ne regrettes rien du tout. Cette femme que tu as condamnée durement devant mon père fait partie de la lignée royale. Es-tu normal? Je m'adresse à toi, es-tu normal? Donc parce que cette femme est de la lignée royale, donc tu voulais que je puisse l'innocenter? Non, je ne suis pas prête de fonctionner comme ça. Regarde-toi. Oh, donc soudainement, tu n'es donc pas prête de fonctionner de cette façon. C'est moi qui t'ai emmené ici, c'est moi qui t'ai épousé dans ce palais. N'es-tu pas supposé suivre mes pas? N'es-tu pas supposé traiter des problèmes de la façon dont je le fais? Je me rappelle de la première fois que je t'ai venu ici. Ton père, le roi, m'a dit que je devais me développer et me comporter comme une reine. Je me rappelle encore très bien comme si c'était hier. Oh, je vois. Alors cet acte insignifiant-là, c'est stupide acte que tu as posé, c'est ça que tu appelles te comporter comme si tu étais une véritable reine? En me sous-estimant devant mon père, me faisant passer pour un fou, stupide, mal, et tu te crois une bonne personne? Sérieux? Allez mon cher mari, comment est-ce que je peux te sous-estimer? Attends, tu me demandes comment tu peux me sous-estimer? N'étais-je pas là à te dire stop? Combien de fois exactement je t'ai dit le mot stop, mais tu ne t'es pas arrêté? Tu voulais plutôt finir cette merde que tu t'es en train de dire. Mais laisse-moi te prévenir, que cela ne se reproduise plus jamais. Ne me dites pas que je suis en train de perdre mon mari. Je l'aime vraiment de tout mon cœur. Il fait partie de moi. Naturellement, je ne suis vraiment pas en position pour une plainte. J'ai été préparé depuis le passé à devenir un homme. J'étais préparé pour le mariage. J'étais préparé à ça. Afin que je ne puisse pas me plaindre, mère, tu peux comprendre que c'est vraiment sérieux. Oh, je comprends, s'il vous plaît. Elle va toujours comprendre. Elle va changer, je vous promets. Attendez, vous allez voir. Elle sera sûrement la femme que vous voulez. La chose qui me dérange le plus, mère, c'est la façon dont elle veut faire croire à tout le monde qu'elle est plus intelligente que je ne suis. Et pire encore, mère, même en présence de mon père. C'est vrai ça. Ah non, ça c'est pas bien, ce n'est pas bien. Mais je vous promets, je vais lui parler. Hein, je vais parler avec elle. Si tu veux que je puisse l'emmener ici, je peux appeler le chauffeur et va l'emmener ici. Afin que tu puisses lui parler, tout ça devient vraiment incontrôlable. Oh non, pas jusqu'à ce point. Elle est ma fille, je vous dis. Ne vous inquiétez pas, je vais m'asseoir avec elle et je vais lui parler. Je vais lui dire des choses importantes, elle va comprendre. Je t'en prie, essaye de trouver une solution parce que je n'aime pas ça. C'est vrai, moi également. Nous tous d'ailleurs. Mon mari refuse de me parler. Mon mari est très fâché contre moi parce qu'il a l'impression que j'ai largement dépassé les bornes. Je suis désolée, c'était pas intentionnel. Je voulais juste que les choses soient bien faites.
Je voulais être la voix de son voix. Je t'en prie, parle-moi. Ton silence me tue, s'il te plaît. Je n'avais jamais été aussi humilié de toute ma vie. Tu m'as fait passer pour un stupide devant mon père, comme un faible, comme un lâche. Je suis désolée, s'il te plaît. Mon cher mari, je t'en prie, pardonne-moi. Ce n'était pas intentionnel. Mais si tout le monde prend la vérité pour un défi, alors je crains que ce royaume un jour puisse arriver à son déclin. Écoute, la politique existe partout et ça s'appelle l'échange de cartes. Ce genre de choses arrivent. Cette fille n'est rien du tout, tu devrais savoir qu'elle ne ferait rien non plus. Politique. Viens-tu de l'appeler politique? Attends, les bonheurs d'une autre femme? Désolée, je ne jouerai pas ces jeux avec toi. Je ne ferai pas ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Le même rêve? Oui. Cette fois-ci, ça avait l'air réel. Alors, qu'est-ce que les dieux sont en train de dire à propos de ce rêve? Est-ce que ça... Il n'y a toujours aucune révélation? Il se pourrait que j'ai perdu mon temps de voyance. Mais c'est... comment est-ce possible? Comment peux-tu perdre ton don? Je veux dire, c'est naturel, les gens ne perdent pas leur don naturel juste comme ça. Alors comment je peux avoir des révélations et je n'arrive même pas à l'expliquer? Le Dieu me tourmente avec ses rêves. Personne n'est en train de tourmenter. Je pense que nous sommes dans ce temps où je n'arrêtais pas de dire que c'est juste qu'un rêve. Indelambiri, la plus belle de toutes les prêtresses de mon pays. Je t'ai invité ici parce que je suis inquiet. Inquiet parce que cette dame qui est devenue épouse à mon fils et reine de ces pays est en train de continuellement avoir des cauchemars. La pire des choses, c'est que quand elle se réveille, elle ne se rappelle de rien du tout. Votre Majesté, pas besoin de déranger les dieux et les déesses de cette terre. Juste parce que vous venez de m'expliquer, c'est clair que la fille souffre, elle est malade. Non, prêtresse, vous avez tort. Comment oses-tu dire ainsi à la prêtresse? Parce que je sais que je ne suis pas malade. Je suis convaincue que peut-être les dieux, les déesses ou les ancêtres de cette terre essaient de me révéler quelque chose. Votre Majesté, avec tout le respect, apprenez-la à tenir ses responsabilités de reine et laissez la divinité à ma charge. Si nos dieux, nos déesses ou encore nos ancêtres ont quelque chose à nous dire, ils les diront directement à moi. Et là, tu es en train de confirmer qu'ils n'ont absolument rien dit. Pas du tout, Votre Majesté. Oui, ma reine, elle a raison. Elle, c'est Ondalambele qui est la prêtresse de notre pays. C'est la seule personne qui joue le médiateur entre nous et les dieux, et quand les dieux répondent, elle nous dit. Et aussi, elle a le monopole exclusif de tout, les aspects des divinations. Et si tu as un problème concernant tes rêves ou tes cauchemars, tu peux toutefois la consulter. Et surtout pour ton cas, ils allaient la révéler sur ça. Et tel que tu l'as entendu,
Il n'y a pas de malédiction dans notre pays et ils n'ont absolument rien révélé. Et surtout, je vais te demander de te calmer et d'oublier tout ce qui s'est passé. Il n'y a aucun problème. Sous votre respect, mon roi, ne soyez pas précis avec ce sujet. Je sais ce que j'avais vu. Même si je n'arrive pas à l'expliquer, je sais que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver dans ce royaume. Rien de mal n'arrivera. Rien. C'est comme je l'ai dit avant. Certainement, tu souffres, je t'enverrai des médicaments. Ça ira avec les traitements. Tu iras mieux. T'as entendu? Elle a dit qu'elle va envoyer des médicaments pour mettre fin à ça. Maintenant, tu dois absolument te calmer. Mon fils, Nonso, tu es là? Comment tu vas? Ah non, il n'y a pas de problème, non, ça va. La reine est malade. Je t'enverrai lui déposer des médicaments, ok? J'arrive. S'il te plaît, je sais que je t'ai offensé. Désolé. S'il te plaît, tu peux me punir à la place. Mais c'est le seul objet de notre survie. Moi et ma famille, s'il te plaît, je me mets à genoux, maman. S'il te plaît, je m'agenouille. Mmh? Maman. Tu n'as pas à demander pardon. Tu vois ta défunte mère? Elle m'avait privé de mes droits. Mes droits en tant que leader de femme, elle me les avait privés. Juste parce que j'étais incapable de lui acheter une bouteille d'eau. Maman. Elle les avait donnés à Ngozi. Ngozi lui avait acheté un casier de bière et un sac de riz. Elle avait donné ses pouvoirs à Ngozi. Maman, je suis désolé. Si ce n'est pas pour moi, fais le même pour ma femme, ainsi que mes enfants. S'il te plaît, c'est notre seul moyen de survie. S'il te plaît, maman, je suis à genoux. S'il te plaît, j'ai entendu. Ok. Si tu désires ta terre, ce que tu dois faire, c'est aller dans la tombe de ta mère. Dis-lui de me remettre mon titre de leader de femme et tous mes droits. Alors, je te donnerai ta terre. Hey! Comment j'avais souffert ces jours-là! Hey! Et pour me venger, écoute-moi, on dit toujours, écoute, la vengeance est bonne lorsqu'elle sert d'exemple. Regarde maintenant
Qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-moi te dire, hein? Je ne te laisserai pas cette terre. Excepté que tu me donnes mes droits. Tu vois, je suis devenue la reine mère. Et tout ce dont j'ai besoin, la reine mère en a. Maintenant, sors de chez moi. S'il te plait, écoute, maman. Qui est devant ma maison, hein? Va de l'autre côté. S'il te plaît, sors. Fais le même pour dégage. Mes enfants. S'il te plaît. Dieu de notre terre. Pourquoi me donnez-vous des visions que je n'arrive à discerner? Comment suis-je censé sauver ces royaumes sans pour autant comprendre? L'œil de Dieu a dit que c'est la fièvre. Je sais que ça ne l'est pas. Je sais que vous essayez de communiquer avec moi. Je sais que vous essayez de me dire quelque chose. Mais malheureusement, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. J'aimerais comprendre. Je veux comprendre que une femme peut corriger ou conseiller son mari. Ne vois-tu pas que toi, tu exagères un peu? Comment, mon cher mari? Laisse-moi te dire que ce que je ressens est vrai. Mon chéri, si tu regardes cela avec attention, je suis sûre que tu réaliseras que ce que je t'ai dit est vrai. Quoi vrai? Je t'ai dit que mon ami venait pour nous rendre visite, mais tu as dit que tu es contre ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de vrai dans ça? Tout simplement parce que ce n'est pas les bons moments pour ça, chérie. Je veux dire, regarde Obina, un jeune homme à flair d'âge. Il est mort comme ça. Qu'est-ce que la mort d'Obina vient faire avec la visite de mon ami? Ou bien quelqu'un t'a raconté qu'il était responsable de la mort d'Obina? Hein? Oh, mon cher mari, après ton père, tu seras la prochaine personne à s'asseoir sur ce trône. Tout ce que je te demande est que tu apprennes à montrer de la compassion. Manifeste un peu de l'attention à ces gens. Ils sont ton peuple, s'il te plaît. Qu'est-ce que je ne fais pas? Je te le demande. Je suis compassionnel, au cas où tu ne savais pas. Comme je l'ai dit, mon ami vient pour une visite. Point final. Mon cher mari, s'il te plaît, je t'en prie, pitié. Tout ce que je te demande, c'est de leur accorder un peu de temps. S'il te plaît. Je t'en supplie, chérie. Pas maintenant. Pas maintenant, s'il te plaît. Et regarde-moi très bien. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux rouler comme ça. Thank you.
fais-tu ici aussitôt? Qui est cet homme? Ne me dis quand même pas que ce que je viens de voir est vrai. Tu n'as rien vu. Attention à l'impression que tu donnes à la prêtresse. Les dieux et le déesse peuvent te détruire. Sont-ils toujours avec toi? Sont-ils? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as très bien entendu. Est-ce que le dieu et les déesses de cette terre sont toujours avec toi? J'avais reçu ce que tu avais envoyé entre les mains de ton fils, comme médicament pour le mal des têtes. Oh oui, je l'avais pris. Mais cette fois-ci, c'est pire. Pourquoi ne te parle-t-il pas? Pourquoi garde-t-il silence? Ils parleront au moment convenable. Rentre à la maison. Je comprends. À partir de ce que je vis aujourd'hui, il est très évident que les dieux de cette terre ne sont plus avec toi. Nous devons aller trouver la solution ailleurs. Tu ne seras pas en mesure de te rappeler de ce que tu viens de voir. Ah! J'éteins ta mémoire. Je l'éteins. Sous votre respect, mon roi, c'est moi la femme dans ces palais. Et personne n'a l'intention de le ravir. Tu n'es pas seulement la femme de mon fils, mais tu es aussi la reine de notre royaume. Votre Majesté, si c'est réellement ce que je suis, donc mon opinion ne doit pas seulement compter, mais aussi être respectée. Il y a quelque chose que j'essaye de comprendre ici, femme. Essayes-tu de dépasser tes limites? Je veux simplement dire que les gens qui détiennent le pouvoir doivent certainement savoir où leur pouvoir s'arrête. Votre Majesté, c'est ce que vous dites? Que j'essaie d'exercer mon pouvoir? Non, c'est pas ce que je fais. Non, c'est ce que tu pas fais. Pas du tout. J'essaie juste de donner une suggestion qui est très capitale, s'il vous plaît. Ok. En termes de propositions les plus claires, tu peux, s'il te plaît, me dire, pour une fois de plus, ce que tu veux. Merci, Votre Majesté. S'il vous plaît, je ne m'oppose pas à l'idée que l'ami de mon mari vienne ici au palais. Ce que je sais de dire est que ce n'est pas le bon moment maintenant. J'avais fait un rêve horrible. Et il n'y a pas que ça, Obina, qui était à fleur d'âge. Il est parti juste comme ça. Dites-moi, que devons-nous célébrer, Votre Majesté? Je veux que tu comprennes quelque chose. Ici. Tu sais, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tout ce que je suis en train de voir ici, c'est une femme qui cherche à protéger les siens. Une femme qui fait de tout son mieux pour faire entendre son avis. Une femme qui a un point de vue qu'elle estime important. Mais je veux que tu comprennes aussi que mon fils n'est pas seulement un prince. Il est le prochain roi du royaume de Umuti. Et il doit lui être permis d'avoir une ligne de conduite. Et quelque chose que je vais t'enseigner, que les femmes aiment le bien de leur mari. Quand elles apprennent à permettre à leur mari d'avoir leur ligne de Mais conduite. Mais votre majesté... Cette conversation est... Terminé, s'il te plaît. Et tu diras au cuisinier que je suis maintenant prêt à manger ce que je lui avais demandé de préparer pour moi. Oui, Votre Majesté. Merci. Hey, pourquoi ce visage? Attends, c'est comme si tu n'apprécies pas ma présence ici au palais. Est-ce que c'est ça? Maman, s'il te plaît, arrête d'essayer de lire dans mes pensées, je n'ai rien dit de tel.
Tout ce que je sais de dire est que je suis une femme mariée maintenant. Si tu veux venir me rendre visite au palais, informe-moi bien avant pour que je le dise à mon mari ainsi qu'au roi. Oh! Calme-toi. C'est le même roi que je t'ai présenté? Non, non, es-tu en train de me dire que tu connais maintenant très bien le roi que moi? Maman, ce n'est pas ça le problème. Et c'est quoi alors les problèmes? D'accord, laisse-moi être clair avec toi. Certains travailleurs dans ces palais, certains ouvriers parlent mal de toi. Quoi? Qui sont-ils? Donne-moi leur identité maintenant et je m'en prendrai à eux. Qui sont-ils? Maman, que vas-tu faire avec leur nom ou leur identité? Hein? Parce qu'ils disent la vérité. Tu sais qu'ils disent la vérité. Tu débarques dans les palais tous les jours et à tout moment comme si tu n'as rien à faire à la maison. C'est comme s'il y a un esprit qui est entré dans ton corps. L'esprit de l'avidité et de la dominance. Et tu sais quoi? Je veux les briser et le faire sortir en toi. Essaye encore. Tu me connais très bien. Salut, madame. Peux-tu la fermer? C'est pourquoi cette salutation? Comment oses-tu m'appeler, madame? Je suis la reine-mère et tu t'adresses à moi de la sorte. C'est ça? Merci, reine-mère. Je suis désolée. Bien. Je suis venue juste pour dire que le dîner est servi. Oh. C'est vrai? La nourriture est servie. Et qu'est-ce que tu as servi? La soupe de Obano. Oh! Ce n'est pas la nourriture de la royauté. Si vous voulez que je puisse manger, vous devez préparer les ignames. Que ça soit moulu par vous-même, pas dans des machines. Hein? Fais-les toi-même et associe avec, enfin, ça là, et du poisson frais. Mais... Tu connais les genres de poissons qui bouge comme ça dans la casserole. Reine-mère. Peux-tu la fermer? Fais ce que je t'ai demandé. Pars, dégage. Désolée. Va-t'en. Ah! Regardez ce qu'elle a porté. C'est quel genre de vêtement? Non, 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 non. Cet habillement est totalement inacceptable. Sais-tu ce que cet habillement peut faire au prince? Et toi, tu t'habilles comme ça? Tu dois t'habiller comme elle. Chère mère. Oui, ma chère fille. S'il te plaît, tu attires l'attention de tout le monde dans ces palais et c'est pas bien, maman. Tu me mets mal à l'aise d'ailleurs, tout le monde, s'il te plaît. Tu n'as pas à dire s'il te plaît et regarde-moi. Je suis une grande femme et partout où je dois partir, je dois faire à ce que les gens puissent remarquer ma présence. Et cela fait de moi ce que je suis. Tu ne penses pas? Alors, ma chérie, avoir l'intention des autres est une chose naturelle. Tu vois un peu ce que je dis, ma chérie. D'accord. Suis-moi, viens voir ce que je voulais te montrer. Oh, salut! Peux-tu t'arrêter là? Que je te suive? C'est comme ça que tu parles à ta mère? Maman, s'il te plaît, viens c'est voir. C'est ça le mot magique. S'il te plaît, maman, peux-tu me D'accord. suivre? Oui, maman, chérie. S'il te plaît, peux-tu D'accord, me suivre? D'accord, j'arrive. Regardez la longue robe qu'elle a mise. Allez, va là-bas, je te rejoins déjà. Oh. N'as-tu pas remarqué tout ce qui se passe dans ce palais? Quelque chose comme quoi? Ici, c'est le palais royal et beaucoup de choses se passent tout le jour. Je parle de celle qui se proclame la reine mère. Ne vois-tu pas qu'elle passe plus de temps avec le roi qu'avec sa fille? Elle ne passe pas seulement le temps avec le roi. Ma chère, je peux t'assurer qu'elle passe nuit dans la chambre du roi. Amanka, arrête, ne dis pas ça. C'est honteux. Mais, ma chère, Madame Chima, ta reine-mère, passe nuit dans la chambre du roi. Est-ce que sa fille est au courant de ça? C'est fort possible. Ce n'est pas du tout possible. Qu'est-ce qui se passe dans ce palais? Itiemba, mais tu ne dis rien du tout. Okoro, qu'est-ce que tu veux que je dise? Les problèmes avec beaucoup d'entre nous dans Omoike, c'est que tous nous ne sommes pas avertis que c'est réellement elle qui est à la base de tout ça. Est-ce que tu peux imaginer ça? Comment est-ce possible? Chiwa n'est qu'une femme. Et comme nous le savons, une femme ne peut pas diriger ses royaumes. Oui. Toi, t'as un roi, mais elle est le roi des rois. Non, ne dis pas ça. Mais je suis déjà en train de dire ça. Elle a pris en otage tous les cabinets, en prenant en otage le roi. Elle décide surtout. Raison pour laquelle j'ai cessé d'aller à des réunions du cabinet.
de peur d'être insulté par une femme qui ne connaît absolument rien sur la tradition. Je ne sais même pas pourquoi elle va au palais aussi souvent. Et même si sa fille est enceinte, ou bien elle est partie pour je sais pas pourquoi. Mon cher, c'est grave. Je t'avais dit, c'est grave. Elle y va pour statuer sur ce qui est arrivé. Mais crois-moi, je vais en finir avec cette femme de ma propre façon. Mais s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Ogoro, mes plans n'ont rien à voir avec toi. Par rapport à tout ça, je sais quoi faire. Regarde juste. Arrête! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Salut, maman. Salut! Qui t'a permis de monter ici? Hein? Ne peux-tu pas garder ton sale visage chez vous à la maison? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, dis-moi? Il y a quoi? Ne peux-tu pas me laisser calme chez moi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai appris que mon ami vient vous rendre visite. C'est pourquoi je suis venue la saluer. Au possible, de lui faire un câlin. Allez, ferme ta gueule! C'est quoi? Ton ami, laisse-moi te dire. Toi et ma fille n'êtes pas à la même classe. Tu veux la saluer pour que tu prennes toute la gloire que Dieu lui a donnée. Pour que tu deviennes reine et que tu deviennes peuple. Ça ne marchera pas. Toi et ma fille n'êtes pas dans la même classe. Alors n'ose plus venir ici pour la saluer. Oh, Nika, mon ami. Qui est ton ami? Arrête! Allez, toi! Écoute-moi, si je te gifle, hein, tu vas perdre une de tes oreilles. Allez, dégage de ma vue. Maman, c'est quoi le problème? Pourquoi veux-tu gifler, mon ami? Qui est ton ami? Tu considères celle-ci ton ami? Tu es une reine, ma chère fille. Elle ne peut pas être ton ami, et cela jamais. Elle ne peut pas. C'est une personne ordinaire. Regardez celle-là, avec ses yeux, avec un corps qui n'a pas de sens. Regardez-moi celle-là, vraiment, si elle est... Mais Neka est mon amie. Elle n'est plus ton amie. D'ailleurs, le prince va appeler. Il veut que tu rentres au palais. Maman, mais comment est-ce possible? J'avais informé mon mari que je viendrais te rendre visite. Comment pourrait-il t'appeler pour que je reparte? Oh, 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 oh! À cause de cet imbécile, tu traites ta mère de menteuse? Oh, maman, s'il te plaît, arrête de déformer mes mots. Je n'ai pas dit que tu étais une menteuse. Ah, ok. Maintenant, tu vas sortir d'ici. Attends d'abord. Tu vois, toi, tu es en train de rentrer au palais. Parce que c'est ta visite ici qui a appelé une personne comme celle-là chez moi. Tu rentres au palais et tu restes là-bas. Alors, prends ta salutation et rentre avec partout où tu voudras. Ne la donne pas à ma fille parce que je vais prendre toute sa gloire. Dégage d'ici. Oh, maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Nika me rend visite au palais. Oui. Excuse-moi. Bien. Tu pars au palais. Allez, reviens ici. N'importe quoi. Mais pourquoi tu te prends toi? Espèce de vaurien. Tout ce que tu sais faire, c'est marcher par-ci, par-là. Une fille stupide. Tu n'as même pas de sens. Reviens encore ici. Je briserai les deux pieds que tu as. Et tu ne sauras plus jamais marcher dans la vie. Écoute. Les gens comme toi doivent se cacher. Maman, arrête s'il te plaît, ça suffit. C'est quoi? Tu me dis d'arrêter à cause de cette fille? Et tu me dis ça suffit. Allez, va emballer tes affaires et rentre vite là-bas au palais. Parce que tu n'apportes que la négativité dans cette maison. Et je n'aime pas ça. Maman, je n'aime pas ça. Laisse-moi tranquille, que tu sois reine ou pas. Je m'en fous. Tu es ma fille. Quitte-la. Bien, ceci est ce qu'on appelle la salle du trône et voilà, c'est le salon de mon palais. C'est très magnifique. Bien, ce n'était pas du tout facile de convaincre ma femme de te laisser nous rendre visite en ce temps. Pourquoi? Elle croit que je vais te ravir d'elle. Oh, bien sûr que non, loin de là, c'était juste. Plein de trucs se sont passés au palais, spécialement ici et... Elle pense que ce n'est pas le bon moment de pouvoir recevoir des visites.
On pourra en parler plus tard. Regarde-toi. Comment tu n'as pas pu dire à qui que ce soit au collège que tu étais un prince? Bien, je pensais que ce n'était pas nécessaire. Tu sais, je me disais toujours que ce n'était pas nécessaire que je le dise à tout le monde. Mais maintenant, tu sais. Je sais aussi que tu peux convaincre ton père de me faire bénéficier de la royauté. Que mon père puisse... Laisse-moi en profiter. Non, ne t'assois pas là. Non, c'est la sieste de mon père. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Toi, là, hey! Qui est cette femme étrangère assise sur mon trône? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, quelqu'un peut m'expliquer ce qui est en train de se passer ici? Père, c'est juste qu'elle s'est assise sur... Elle s'est assise sur ton trône subitement. Elle voulait parler des bénédictions royales. Je t'avais bien dit de ne pas t'asseoir sur ce trône, n'est-ce pas? Comment as-tu pu faire ça? Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de roi d'où tu viens? Regarde ce que tu viens de me causer. En fait, c'est juste qu'elle voulait... Elle voulait... C'est maintenant que tu commences à bégayer? Non, quoi? Tu es devenu un bégayeur à ton âge? Garde! Votre Majesté! Garde! Votre Altesse! Vous voyez cette chose qui s'est tenue ici? Prenez-la et jetez-la en dehors de mon palais! Mon prince! Mais père, quel prince? N'ose même pas d'ouvrir ta bouche! N'ose même pas parler! Je pensais pas que... Inkena. Oui, père. Hé, tu dois savoir que ce qui s'est passé maintenant est une abomination. Non, c'est pas vrai. Et laisse-moi te dire une chose. Peu importe la chose qui viendra de cette abomination que tu viens d'orchestrer, sera en toute charge sur toi. Et sache qu'il n'y a aucun membre de cette famille qui prendra part aux répercussions qui viendront de toi. Mais père, je la ferme. Je peux te confirmer que tout ce que tu veux m'expliquer maintenant là est complètement faux. Non, prêtresse, vous avez tort. Et comment oses-tu dire que la prêtresse a tort? Je sais que je ne suis pas malade. Je suis convaincue que le Dieu, le déesse, ou soit des ancêtres de cette terre, essaie de me révéler quelque chose. C'est bel et bien Odameli qui est la prêtresse de ma terre. Et c'est bien elle qui joue la médiation entre les dieux et nous, les dieux et les ancêtres. Et tel que tu la vois, elle a le monopole exclusif de toute la médiation entre le monde spirituel et nous. Et s'il y a quelque chose concernant des rêves ainsi que des cauchemars, tu peux toutefois la consulter. Ou également, il serait révélé à elle. Et tel que tu l'as entendu, il n'y a aucune malédiction pour notre village. Au contraire, on est bien. Et maintenant, je te demanderai de te calmer et essayer d'oublier tout ce qui est en train de se passer. Sous votre respect, mon roi, ne prenez pas cette affaire à la légère. Je sais ce que j'ai vu. Même si je n'arrive pas à l'expliquer, je sais que très bientôt, quelque chose de terrible est sur le point d'arriver dans ces royaumes. Ça, c'est le pire de tout ce que j'ai pu vivre. Mes yeux ont pratiquement vu mes oreilles. Ma chère, dans cette situation, je donne vraiment raison à ceux qui disent que les hommes sont des ingrats. Franchement, avec cette qualité, Ada de tout le peuple, il ose voir une autre femme. Pas seulement regarder une autre femme, mais il a ramené une autre femme dans les palais. C'est quoi cette insulte? Écoute, si j'étais à la place d'Ada, j'allais en finir avec cette femme. Pourquoi t'es dérangé toi-même pendant que sa mère a déjà pris les choses en charge? Ah, que veux-tu dire? Personne ne s'est occupé d'elle. J'ai appris que le roi l'a jeté hors du palais. Et tu crois que c'est fini? Oui. Tu crois que ça n'était arrêté là? Cette dame a osé s'asseoir sur le trône du roi. Elle a risqué de ne plus voir ses menstrues. En fait, elle aurait dû perdre sa féminité avant qu'elle ne le sache. Ah,
Es-tu sérieuse? Alors qu'est-ce qui est arrivé au prince parce que c'est lui qui l'avait ramené au palais et l'a conduit jusqu'à la salle où se trouve le trône? Ma chère, je ne sais quoi dire. Elle agissait genre, on dirait qu'elle était télécommandée de quelque part. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il est prince, donc personne ne peut le contrôler. Écoute, celle-ci. Tout ce que je sais est que nous sommes dans le trouble dans ce royaume. Une femme n'a jamais accédé au siège du trône. Et maintenant que cela est arrivé, c'est la calamité qui va suivre. Je prie juste pour que le prince soit la seule personne à payer des conséquences. C'est lui qui a ramené cette fille dans le palais. Sérieusement, je ne sais rien dire. Mon amour, je suis désolé. Honnêtement, je ne savais pas que ça pouvait en arriver là. Mais je te l'avais dit. Je t'avais dit que nous avons pas mal de problèmes spirituels dans ce royaume. Mais tu avais refusé de m'écouter. Ce n'était pas du tout les bons moments pour que tu puisses ramener ton ami. Oui, c'est vrai. Je sais que tu as dit cela. Mais tu ne peux pas complètement me jeter la blâme. Comment est-ce que j'aurais pu savoir ça allait en arriver là? As-tu entendu ce qu'ils ont dit? Même ta défunte mère ne s'était jamais assise sur ses trônes. Mais donc ils craignent que cet acte puisse causer la colère des dieux. J'ai déjà parlé avec quelques hommes pour m'aider à plaider devant mon père. Je suis sûr qu'on trouvera une solution à ce problème. Je suis désolé. Chers anciens et conseillers, je voudrais que vous compreniez ici que cette réunion est d'ultime importance. Et je me suis décidé de la tenir ici dans ma chambre privée. Parce que je ne voudrais absolument aucune forme de distraction. Une grave abomination a pris place dans notre village. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler de ça et surtout vous avez déjà discuté dessus, surtout en privé. Raison pour laquelle je voudrais que nous puissions tous discuter pour que nous trouvions une solution avant que nous soyons tous consumés. Votre Majesté, selon nos investigations préliminaires, il a été révélé que la reine n'arrêtait pas d'avoir une grande série de cauchemars. Tous pointant sur la calamité qui est maintenant tombée sur notre terre. Oui, mais j'avais pris la bonne orientation. Quand il y a des séries et des séries de cauchemars, on en fait part aux gens. Et de ma part, j'avais fait la meilleure chose en incluant Amélie, qui est désignée comme prêtresse de notre village. Et elle a fini par méconduire le roi. Oui, elle a méconduit le roi. S'il vous plaît, les anciens, est-ce qu'on peut avancer avec ce sujet? Essayons de le faire sans impliquer dans la mêlée. Pourquoi tu dis ça? De toutes les façons, on va en parler après. Mais en fait, oh Wele, pourquoi est-ce que le prince n'est pas ici? Le prince n'est pas ici parce que le jeune homme s'est enfui. Du moment où vous avez mentionné les investigations préliminaires, je peux précisément vous confirmer que mes propres premières investigations ont révélé que sa fortune, qui est la reine, s'était opposé contre ses intentions d'amener un visiteur au palais dans des moments comme ça. Elle s'y était opposée violemment, rappelant à mon fils que ce n'était pas le meilleur moment pour les visiteurs. Mais de toutes les façons, je ne sais même pas, je ne sais pas vraiment, j'ai pas été inclus dans la procédure. Et voilà, elle était abattue et mon fils avait pris sa décision. Et le problème qu'il y a est que cette abomination a pris place. Le jeune homme est vraiment confus. Et que l'abomination a pris place et il a été trahi par ses propres erreurs. Voilà pourquoi il n'est pas là. Votre Majesté, si nous devons prendre en compte ce que Onowu a dit, laissons juste le prince en dehors de ceci et faisons face au problème. Ancien, ce simple petit acte de cette étrange femme
de s'asseoir sur ce trône. Oui, le trône. Allons. Hey. Elle a saccadé le secrétisme de ce trône. C'est le problème qui dérange en ce moment. Exact. Et vous savez quoi? La reine mère avait confirmé que la même femme était totalement aveuglée quand cela s'est produit. Et cela nous a déconnectés tous de nos ancêtres. Imaginez ça, mes anciens. Mon roi, nous devons faire quelque chose contre ceux. Nous devons. Si ce n'était pas parce que le roi nous a interdit de le faire, nous l'aurions déjà sacrifié au dieu. Je crois bien que tu as raison, No. Oh No, pourquoi tu peux dire ça? Oui, nous l'aurions déjà fait. Non. Il y a deux choses que... un No ne peut pas avoir le courage de dire. Nous ne sommes plus dans les temps anciens, dans nos temps de nos papas là, où toutes les choses avaient eu lieu. Nous sommes au 21e siècle. C'est ce qu'on a qualifié de vieux temps. Et personne ne parle encore des sacrifices à ces jours. Hein? Et maintenant, pourquoi tu dis ça? On y est. Quel que soit le siècle, premier ou je ne sais pas le quantième, le temps n'a rien à voir avec la réalité. Le temps ancien, moderne, ce qui est vrai est vrai. Ce qui est abomination est abomination. Oui. C'est simple. Oui. Un fou qui a le culot de s'asseoir sur un trône devrait être prêt à affronter la tempête. Bam. Qu'il fasse face à la tempête. Bam. Mais c'est comme ça. Exact. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Oh No. Tel que tu le sais, la personne que tu veux confronter à cette réalité n'est plus ici. Je l'ai déjà renvoyé. Et je l'avais renvoyé pour une raison propre à moi. Mais ce que je voulais qu'on fasse, c'est très simple. Et tel que c'est devenu très dangereux, du fait que notre prêtresse n'arrive plus à voir les choses clairement, je ne sais pas pourquoi. Est-il possible pour nous de décider comme membre de ce conseil et trouver une solution? Venons peut-être d'ailleurs. Mais cela va dépendre. Cela dépend. Oui, tu comprends? Oui. Depuis que je t'ai obtenu chez Omolo, tu ne m'as jamais déçu. Cette femme sorcière et moi-même poursuivons un même objectif. L'âme de Moïdike. Nous voulons détruire la famille royale et prendre notre possession le pouvoir. Veux-tu permettre qu'une femme puisse gagner et régner sur toi, Umban? Non, mais c'est pas possible. Elle a une fille qu'elle a fait venir au palais. Mais moi, je n'ai aucune fille à ramener là-bas. Je n'ai que toi. Et tu es tout pour moi. Je veux que tu continues à abattre le travail que tu as commencé à Omodike. Jusqu'à ce que je récupérerai ce trône. Chiwewe va échouer. Et je réussirai. Tout ce qu'il fait va échouer. Et je gagnerai. Tout le monde va échouer. Et je gagnerai. Te voici. Onyeze. Nous avons un problème sérieux. Il faut agir. Tu vois, pour le fait que beaucoup ne veulent pas être d'accord avec toi concernant ta suggestion de chercher la solution ailleurs, ce n'est pas une raison pour toi de t'asseoir comme ça et ne rien faire. Tu ne peux pas rester là sans rien faire du tout. Les choses terribles se passent à Omodike. Et cela s'est dit déjà partout. Les gens regardent, les gens écoutent. Et l'histoire sera racontée que tout ça s'est passé pendant que toi, tu as fait le pouvoir.
raison pour laquelle je m'étais déjà décidé en ma qualité et rang du roi de Omoidike de faire quelque chose. Et je peux te confirmer, Onowu, que j'ai déjà fait quelque chose. Déjà fait quelque chose, comme quoi? Tu vois, c'est cette même Odala Mele, la prêtresse de notre terre, à qui nous avons toujours fait confiance, et finalement venue avec une solution. Elle a dit que pour le problème auquel nous faisons face, nous devons envoyer les grands guerriers d'Omoidike dans la forêt maudite à la recherche de ce qu'on appelle l'eau des ancêtres. Je n'arrive pas à comprendre. Tout ça signifie quoi? Onowu, Omoidike dont nous parlons est en feu. Oui, nous savons ça. Nous savons très bien. La chaleur de Omoidike, en réalité, ce qui doit être fait est actuellement, c'est que ces trois garçons doivent faire. L'eau de nos ancêtres, selon ce que Ambili a dit, va ramener toutes choses en paix. Tu n'as pas beaucoup été dérangé parce que mon fils et moi-même avons déjà fait quelque chose. En trouvant le jeune homme qui se sont portés volontiers pour embarquer dans ce voyage, je peux te confirmer en qualité de Onowu que le jeune homme de notre royaume se sont déjà décidé de partir en voyage à la recherche des eaux de nos ancêtres. Mais Onyeze, sommes-nous vraiment allés aussi loin? Oui. Mais honnêtement, j'avais ma réservation pour cette mauvaise femme. Et alors? Mais je vais te poser une question très simple. Es-tu vraiment sûr qu'elle sait ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Je veux aussi vous demander, Onowu, est-ce possible pour une femme et qui se tient souvent devant l'autel des dieux, les déesses et les ancêtres de Omoidike et ouvrir sa bouche, ainsi dire quelque chose du moment où on ne lui a absolument rien signifié? Et vous n'allez pas répondre à cette question, vous allez garder la réponse. Mais je veux plaider auprès de vous de pouvoir lui donner le bénéfice de doute. Bon, je suis d'accord avec toi. Mais après, tu sais bien ce qu'il faut faire. Tu sais qu'aucun de ces gars ne reviendra. Ils vont tous périr là-bas et leurs morts seront sur ta conscience. Quoi? Que veux-tu dire? Quel genre de déclaration stupide est-ce là? Leur mort sur ma conscience, ça veut dire quoi? Parce que tu les as laissés partir dans cette mission. Mon amour, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de les arrêter, mais tu ne l'as pas fait. Tu as échoué. Mais c'est toi qui as échoué. C'est la simple vérité. Tu es celle qui ne comprend pas qu'ils ne font qu'être compatissants. Toutes ces personnes sont en train de faire ça pour leur royaume. Ils se sacrifient pour leur terre. Et d'ailleurs, ils seront récompensés. Est-ce que tu viens de dire qu'ils seront récompensés? Mon amour, je vis clairement qu'ils vont beaucoup souffrir dans cette mission et ils nous maudiront le jour de leur mort. Quel genre de déclaration est-ce là? Que veux-tu dire par ils nous maudiront le jour de leur mort? Quel genre de stupidité est ça? Ces gens se sont embarqués dans ce voyage délibérément. Personne ne leur a forcé, ils l'ont fait volontairement. Pourquoi penses-tu cela différemment? Reconnais au moins que tu as commis une grave erreur. Une erreur qui va causer préjudice au royaume tout entier. Juste prie pour que le miracle puisse opérer dans ce royaume. Juste prie. Soyez le bienvenu, les hommes nobles de Ofomodike. Les hommes qui sont prêts à sacrifier leur vie pour
les royaumes. Hein? Qu'est-ce que tu as dit là? Tu veux dire que tu ne sais pas? Non. Vous devez être décisif. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas volontiers à sacrifier votre vie pour ce royaume, vous devez disposer maintenant. S'il vous plaît, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à mourir. Non. Ah, c'est pourquoi vous m'avez amené ici? Pour mourir? Non. Je ne suis pas prêt, s'il vous plaît. Qui d'autre n'est pas encore prêt? Je ne crois pas que je sois prêt moi non plus. Je ne peux pas mourir. Bande de lâches. Je te donne l'œil d'un aigle et la force d'un éléphant. Tu travailleras encore et encore sans pour autant te fatiguer. Tu seras imbattable. La mort ne peut rien contre toi. Il sait. Je te fortifie avec un œil d'aigle et la force d'un éléphant. Tu travailleras des heures et des heures sans te lasser. Tu seras imbattable. La mort ne peut rien contre toi. Il sait. Je te fortifie avec l'œil d'un aigle et la force d'un éléphant. Tu seras fort. Tu travailleras. Sans pour autant te lasser. Tu seras imbattable. La mort ne peut rien contre toi. Il sait. Toutes choses, ainsi que tout le monde, dans Umudike, sont dans une sérieuse confusion. Absolument tout est en total désaccord. Et il semblerait qu'il n'y ait plus d'espoir. Bah, pourquoi es-tu calme dans ta maison, comme si rien ne se passait? Hé, Loka. Omo. Je viens de ma maison. Je suis Ichimbalambalago. Rien ne me quitte et s'en va. Je suis celui qui quitte les choses. Banabalago. Oui. Et que veux-tu dire par là, si je puis demander? Ivojiwe a détruit Omoidike. En manipulant cette étrangère femme de s'asseoir sur le trône. Ce trône a été souillé et puis les vacants. Et certainement il a besoin de Ichomba pour devenir le nouveau roi. Ça c'est drôle. Bah, pourquoi parles-tu toujours comme un ivrogne? Le prince a amené l'étrange femme qui s'est assise sur le trône. Il l'a appelée son amie. Pourquoi impliques-tu Tioué dans tout ça? Hein? Pourquoi Tioué? Voilà le problème que j'ai avec Umudike. Les hommes qui prennent part au conseil sont des femmes. Et je suis très inquiet du fait qu'ils ne savent pas quand est-ce que la femme a posé ses tâches. Bam. Je t'en prie, mon cher, ne va pas jusque-là. Nom de Dieu, quel genre d'insulte veut dire ceci? Es-tu en train de faire allusion à moi en tant que femme ou bien? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ebumuki, écoute-moi, Ondoka. Quand je deviendrai le roi,
avec cette sorcière en vie, je vais tuer tous les membres du cabinet et amener les hommes. Les hommes, ceux qui s'appellent hommes. Et tous les restes seront au coin en train de clamer. Quand je parle que je suis Zigoué, j'ai parlé d'Izigoué. Et vous tous, vous allez comprendre de la même manière que le royaume sera bien dirigé. Et vous vous rendrez tellement compte que ce que vous faisiez était une aventure. Bah, je peux voir que tu es bien ivre que je le pensais. Mais est-ce que tu comprends ça? Igwe. Mais non, toi aussi. Igwe. Tu n'as donc vraiment pas honte. Et oui, je le répète encore, tu n'es qu'un sale pervers. Un sale pervers, c'est ce que moi, tu es. Je n'ai jamais vu un fou tel que toi. C'est bien comment penses-tu que tu peux sentir ou as-tu déjà au moins senti le trône de Umudike? Toi, c'est bien moi que tu traites comme ça. En tout cas, tu me regarde ça n'importe quoi. Revois un peu comment tu réfléchis. Qu'est-ce que tu racontes? Ok, t'en fais pas. Bravo. Bravo. Hein? Bravo. Ah oui. Regarde-toi. Tu n'es qu'un sale fou, toi. Je vais devenir Igwe. Tu te prends pour Igwe? Ivron, c'est ce que tu es. Et où? Bon à rien. Non, mais quel immature. Tu sais, j'ai appris que la mission pour amener l'eau de nos ancêtres est vraiment très très risquée. Ça, c'est vraiment risqué. Et je sais pas pourquoi la prêtresse continue avec ça. Elle dit que c'est le seul moyen de notre survie. Tu trouves au moins qu'il y a quelqu'un capable de trouver cette eau? Alors je ferai exactement comme Oku Didi. Il a fait quoi au juste? Il est parti de Mondiké sans jamais revenir. Ah, non, ça c'est la folie. Si les dieux se mettent en colère contre nous, personne ne sera échappé, même ceux qui vivent à l'étranger. Tout un chacun de nous va tomber et mourir. C'est vraiment effrayant. Je te jure. Vraiment effrayant. Très effrayant. Ondarambele, j'arrive pas à comprendre. Tu veux que je puisse commencer à te dire c'est pourquoi je t'ai invité ici avant que tu ne commences à me parler? Notre terre a été profanée, mon roi. Nous avons besoin de l'eau de nos ancêtres pour purifier notre terre. C'est exactement ce que tu as déjà dit. C'est ce que tu avais dit avant. Mais en rapport avec mes connaissances, il y a quelques jeunes hommes qui ont été envoyés dans la forêt maudite à la recherche de ce qu'on appelle l'eau des ancêtres. Sur base de ce que tu m'avais confirmé, ces jeunes hommes sont tous morts. Ils ne reviendront plus. Et te voilà en train de chercher d'autres volontiers. Pourquoi es-tu sans cœur? Ce n'est pas de ma faute, Onyézé. Le fait que nous avions échoué avec ce qui était envoyé en premier ne veut pas dire que nous sommes incapables de trouver une autre solution. Ok. Laisse-moi être d'accord avec toi en te donnant le bénéfice des doutes. Qu'est-ce qui garantit? Non, je veux dire, qu'est-ce qui nous donne la preuve que ce taux des ancêtres va résoudre le problème? Bien sûr que oui, Votre Majesté. L'eau de nos ancêtres ramènera cet esprit. Et cela nous ramènera la paix, la bénédiction et le progrès de notre terre. Je suis vraiment désolée d'interrompre cette réunion, mon roi. Je vous avais raconté exactement ce que j'avais vu. Je vous l'avais dit, mais vous avez refusé de me croire. Peu importe ce que tu as vu, cela n'a aucun lien avec l'eau de nos ancêtres. J'ai reçu plusieurs plaintes. Les gens ont très peur. Les gens commencent à se poser des questions. Plus personne ne veut se donner comme volontaire. Plusieurs personnes viennent se plaindre. Votre Majesté, je suggère que tout le monde puisse se calmer. L'eau de nos ancêtres, c'est tout ce dont nous avons besoin pour sauver ce problème. Je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai causé. Je suis désolé. Désolé de t'avoir désobéi. Je suis désolé pour tout. C'est exactement ce que je voulais entendre. Attends. Voyons. Je suis désolé. Je t'en prie, papa. Je comprends que je t'ai plongé dans la douleur ainsi que dans le stress.
Mais je suis désolé pour ça. Si je te demandais de m'épouser à nouveau, voudrais-tu? À l'origine, tu ne m'avais pas demandé en mariage. C'est nos parents qui ont arrangé cette union. Mais avec les temps, tu es devenu tout pour moi, pratiquement tout. J'ai appris à t'aimer bien plus que la vie elle-même. Donc oui, je me marierai à toi encore et encore. Parce que tu es le meilleur mari du monde entier. Tes mots me redonnent la force. Tu sais, je me suis demandé à moi-même. Qui est cette femme qui pourrait me rendre complet? Qui pourrait donner un sens à ma vie? Mais j'ai rencontré des femmes, géantes et noires, brunes, blanches, des royautés, des dignités, des gens très célèbres. Mais je n'avais rien senti. Mais je n'ai pas mentionné ton nom. Car absolument tout de moi te concerne, toi. Venant du fait que nos parents nous avaient déjà fiancés depuis que nous étions petits. Et je suis fier. Je suis heureux de te regarder en face. Et te dire que je resterai avec toi. Aujourd'hui. Demain. Et pour toujours. Tu sais, j'ai entendu plusieurs histoires, quelques-uns auprès de ma mère, auprès de ton père, et voire même auprès de mon oncle, celui que ma mère n'a jamais aimé, m'a raconté beaucoup d'histoires. Ça en fait plein d'histoires, certainement. Je suis plus intéressé par celle que mon père t'a racontée. Wind is blowing between us, baby. No matter how the fire is spreading around us, I'll be there for you. Oh yeah, I love you with all my heart, yeah. I love you with all my mind, baby. I'll be there for you. No matter things around you, I'll be there for you. Thank you.
studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.